mon frère Fabien. Pourquoi es-tu comme ça? Je suis désolé. Désolé pour toute chose. Pourquoi? Pourquoi tu portes tout ça toi-même? À qui est-ce qu'il doit prendre soin dans cet état-ci? Et c'est ma responsabilité de prendre soin de vous, de vous surveiller et de vous protéger. Mais regarde-moi. Jusque-là, tu n'as pas encore mangé. Parce que je n'ai même pas la provision. Il n'y a même pas la nourriture dans cette maison. Grand frère, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi tu te condamnes en te blâmant toi-même? C'est ma responsabilité. C'est mon devoir de prendre soin de toi, de prendre soin de toute ma famille. Tu penses vraiment que je suis heureux avec l'incapacité dont je me retrouve? Ne t'inquiète pas, l'argent viendra, ok? Quand? Quand est-ce que cet argent viendra? Rappelle-toi, maman nous disait toujours de prier lorsque ça ne va pas. Jamais! Je n'ai jamais cessé de prier. Continue de prier. Et tu verras ce que Dieu va faire. Hein? Ah. Merci beaucoup. De rien. Va dans la cuisine, tu regardes s'il y a quelque chose que tu peux préparer. Hein? Oh, le shop de Maïma est ouvert? Oui, oui, c'est ouvert. Bien, va chez elle. Va prendre quelque chose, tout ce qui t'aidera à préparer quelque chose. Hein? Je paierai l'argent. Je verrai ça bientôt. Hein? Ok. Hein, vas-y. S'il te plaît, suis les larmes, ok? Grand frère, et alors toi? Hein? Ne vas-tu rien manger? Toi, vas-y. Je vais bien. Ok. Ma belle, tu m'as trop fait peur. Emilia, quand est-ce que tu vas changer? Ça veut dire? Cela veut dire que c'est dans cette position que je t'ai laissé avant que j'aille au travail. Il est 21h maintenant. C'était m'a rendu ma journée géniale. Il a l'air d'être un homme super. Ah, Emilia, utilise ta tête. Comment? Tu parles avec cet homme depuis le matin avant que j'aille au travail. Et je rentre du boulot, tu es toujours au téléphone avec cet homme. Ceci n'est pas correct, totalement incorrect. Filiane, enlève ce genre de mentalité que tu y as. Tu ne peux seulement pas quitter la maison pour que tu travailles. La technologie a tout rendu possible et tu peux même travailler à la maison. Sais-tu même s'il y a des gens qui travaillent pour lui? Tu as toujours quelque chose à dire, tu as toujours des excuses. Regarde, je n'ai même pas le temps pour faire parler avec toi. Qu'est-ce que tu as préparé? Rien du tout. Je n'ai pas pu trouver quoi préparer. Comme habitué, Madame Potable. Vas-y, essaie de te reposer. Sois la bienvenue.
maquilleuse. Finalement, aujourd'hui, tu vas sortir. Alors, quel est le nom de ce garçon? Désolée, parce que tu as ta part à côté, je ne sors pas. Je n'arrive pas à comprendre. Emilia, tu es actuellement en train de mettre tous ces maquillages juste pour rester à la maison. J'attends un visiteur à la maison. Je le savais. Tu savais quoi? Écoute, c'est personne d'autre, juste un photographe professionnel. Je vais juste prendre des photos exceptionnelles pour poster dans mes comptes. Instagram, Facebook, TikTok, partout dans les réseaux sociaux. Je sais, toujours tes comptes. De toutes les façons, j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un t'a demandé un mariage? Loin de ça. Écoute, ma compagnie recrute actuellement et j'ai pensé à toi. Je tiens à travailler avec toi. Qui sait, peut-être ensemble nous pouvons produire de bonnes choses. Chiliane, écoute-moi, une femme n'est pas supposée travailler. D'accord? Je veux juste apparaître jolie et vivre. La femme est supposée être très belle et survivre, c'est tout. Emilia, vivre en dépendant de la poche d'un homme, c'est ça que tu appelles un travail? Laisse-moi t'éduquer un tout petit peu. Une femme a été créée pour se détendre et profiter. La femme n'est pas supposée s'inquiéter elle-même, pas du tout. Ok? Tu sais, tu peux donner ce travail à une autre personne parce que je ne suis pas intéressée. De toutes les façons, c'est combien pour commencer? 10 000 naira, bébé. Devine facile pour toi. Oh! Sans quoi? Juliane, arrête de me faire rire, s'il te plaît. Tu appelles ça l'argent? Juste un petit sang? Vraiment? Oui, c'est assez suffisant. Et je te conseillerais d'accepter ce travail. Et chaque fin du mois, tu vas quand même t'y retrouver. Juliane, s'il te plaît, arrête de trop parler. Ok, permets-moi de me concentrer sur mon maquillage avant que mon photographe arrive. S'il te plaît. Mange le maquillage si tu le veux. Un petit sanglier. Hein? Apparemment, Féliane ignore qui elle fréquente. Je ne peux même plus tolérer l'attitude du public. Je ne peux pas me mélanger avec n'importe quel corps qui sera là. La société elle-même ne peut pas prendre soin de moi parce que je suis vraiment très chère. Elle s'en ira. Je m'appelle Emilia. Licenciée à l'université Oxford en Angleterre. Et je fais un master à l'université de Canberra. Tu sais ce qu'ils ont dit, c'est qu'un homme ne peut pas faire, la femme peut le faire mieux. Ça fait plaisir de te rencontrer. Passe une bonne journée, chérie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Emilia, ne penses-tu pas que c'est mieux de quitter cette vie? Des mensonges et des tromperies. Filiane, la vie n'est pas facile, ma chère. Il y a des gens véridiques qui échouent dans la vie. Les hommes aiment le mensonge. Le mensonge réalise tout rapidement. Et sache, les gens qui vivent dans cette vie reçoivent de l'aide plus que ceux qui sont déjà arrivés. S'il te plaît, tu peux arrêter? Je t'ai dit que j'avais besoin de l'aide. Qui en a besoin? Les choix sont clairs et cela dépend que de toi. Filiane, toi et moi, nous savons que la vérité n'est pas admirable. Personne n'est honnête et même tes dieux, je ne sens pas honnête. Parce que s'ils étaient honnêtes, ils n'allaient pas nous décevoir. Ok, par exemple, avant les élections, ils ont fait un podium en nous disant des choses comme si c'était de bonnes nouvelles. Ils nous ont fait tant de promesses, ils ont déçu le public. Parce que dès qu'ils deviennent des dirigeants, ils oublient toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Et donc, tu vois, personne n'est sincère ici. Et c'est de cette façon que tu trompes les gens. Ma chère, tout le monde nous salit. Tout le monde, et même dans les compagnies où tu travailles. Il y a toujours une personne qui vole dans la société. Et maintenant, tu vois, personne n'est sain. Bien, sache que ce que tu fais est plus que mensonge. Hé, hey, regarde-moi cette fille. Est-ce que c'est à toi que je mens? C'est ça tes mensonges? Ma chère, aussi longtemps que nous vivons dans une même maison, je te dirai toujours la vérité. Oh, épargne-moi de ça. Va demander à tes politiciens. Filiane! 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 Oui? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ces beaux hommes.
Il semble qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu m'as appelé. Et qui t'a dit qu'ils ont de l'argent? As-tu rencontré l'un d'entre eux? Quelle question que tu me poses? Tu n'as pas les yeux? Hein? En regardant ces hommes, tu sauras directement qu'ils sont capables. Emilia, tu n'es pas supposée à croire sur tout ce que tu trouves en ligne. Je sais qu'on ne peut pas croire en tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais regarde-moi ces hommes, mais regarde leur peau. Il est comme si quelqu'un qui vient de nulle part et qui est juste tombé. Regarde-moi celui-ci. Regarde-moi très bien. J'ai entendu. Ok, je comprends. Pourquoi ne pas les choisir et les épouser? Tu peux les faire. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin d'un homme pour m'épouser? Emilia, tu sais que tu es toujours à la recherche d'un homme riche. Je vais juste te dire, si tu peux choisir l'un d'entre eux, si c'est lui, comme tu le veux, choisis-les et restez ensemble. Filiane, c'est l'argent que j'ai besoin. J'ai pas besoin d'amour. L'amour n'existe pas. L'amour, c'est un passe-temps. De toutes les façons, tu dois te concentrer sur ce que tu as fixé comme objectif à atteindre. Mm-hmm. Je n'ai pas le temps pour l'amour. Mm-hmm. Ah, donc tu vas aller d'un homme à un autre. Tu n'as même pas peur de toutes ces maladies qui tournent autour. Peur de quoi? Les condoms n'existent pas. Ah. Hey, qu'est-ce que tu as? Hey! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Emilia, il est quelle heure? Il est 7 heures. Et ta seule responsabilité est de te concentrer sur les réseaux sociaux. Je peux dire, tu es totalement perdue. Filiane, nous vivons toutes les deux dans cette maison, ça fait déjà un moment. Maintenant, tu dois comprendre le genre de personne que je suis. Et ce genre de personne que tu es, qui peut vraiment t'imiter? Eh hey, hé! Est-ce que j'oblige quelqu'un à m'imiter? Comment est-ce qu'il ne me fait pas affecter quelqu'un? En tout cas, c'est mon bureau. Je ne supplie personne. J'ai vu ma vie comme ça. Et tu veux dire, danser sur les réseaux sociaux est une fonction? Ah ah, c'est là où je me nourris, non? Je ne peux pas être sujet de moquerie des autres. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Vraiment? Je ne peux pas conduire ta vie, mais je pense que ta vie doit être disciplinée le plus tôt possible. Alors, regarde-toi, tu es en train de conduire très mal ta vie. Écoute, je pense que c'est une insulte pour ma profession. Oh, tu appelles les réseaux sociaux un travail selon toi? Madame, je te prie. Vas-y, il est déjà tard. Cessez-moi de te mêler dans mes affaires. Tout ce que tu peux faire est d'aller travailler. Sinon, ils vont te licencier. Oh. Commence à partir. Oui, je vais aller travailler parce que j'ai un travail. Reste là, en train de danser sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, s'occuper. À tout moment, tu es toujours occupé. Voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. N'importe quoi. Laisse-moi continuer avec mon business. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Tu peux m'accorder quelques minutes? Ok, c'est bon. Ce gros poisson que j'ai rencontré à la salle du gym, il est vraiment magnifique. Ok, habituellement. Quand est-ce que Samuel vient? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui concerne Samuel sur ce travail? J'avais déjà abordé cet homme et je lui ai dit que je suis une ingénieure sociale. Emilia, sociale quoi? Ingénieure. Ok, je t'ai toujours posé cette question. Qu'est-ce que quelqu'un fera avec ton amoureux, madame l'ingénieure sociale? Cet homme et moi, on a fixé une date. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu sais, en étant une ingénieure sociale, mm-hmm. Je suis supposée, tu sais, apparaître belle, géniale et trop classe.
Tu as raison. Et aussi, être belle pour couvrir tes mensonges, ok? Et voilà, tu parles maintenant. Ok, alors, quand est-ce que tu vas commencer à travailler sur ça? Raison pour laquelle je t'ai demandé à propos de ça. Je vais dire si je peux emprunter sa voiture pour un rendez-vous. Je ne vais pas aller là-bas et paraître comme si je n'avais rien. Apparaître comme une personne malheureuse. Emilia, tu es vraiment une lâche. Attends, tu disais que tu voulais emprunter la voiture chez quelqu'un? Oui. Ah, bébé, tu as pris la bière? Tu as pris du whisky? Je ne vais plus entendre ça prochainement dans mes oreilles. Comme tu as choisi de vivre une fausse vie, alors tu dois te préparer à faire des courses à pied. C'est ce que tu as choisi. Ne me distrais pas, j'ai des trucs à faire, j'ai un travail. Tu as aussi un travail, vas-y, va continuer à danser. Vas-y, va danser. Je viens emprunter la voiture d'une personne. Et maintenant tu es là, qu'est-ce qu'on a comme dîner? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu y as. Je n'ai rien du tout avec moi. Alors qu'allons-nous donc faire maintenant? Parce que j'ai faim. On n'a pas vraiment le choix, il faut juste aller chez... Maman Emma encore? Mais nous n'avons pas le choix, il faut juste aller là-bas et va nous donner quelque chose à manger. Je sais. Écoute. Va voir maman Emma. Hein? Va lui dire que j'ai dit que qu'elle te donne quelque chose à préparer et je vais payer après. Mes grands frères, jusqu'à quand vas-tu continuer à prendre des choses chez maman Emma? Écoute, ce n'est pas le temps de parler de combien de fois. Ça va finir. Hein? Va la voir. Va lui dire qu'elle te donne quelque chose à préparer. Hein? On va trouver une solution dans plus de jours. Et si elle arrêtait de nous donner? Sans effet, elle va pas arrêter. C'est mon amie, elle connaît. Va lui dire qu'elle te donne ce qu'elle a. Hein? Bientôt, je serai béni. On va trouver une solution, je vais payer. Dis-lui ce que j'ai dit, elle te donnera. Grand frère, écoute-moi très bien. J'avais comptabilisé tout l'argent qu'on lui doit. Ça fait 2500 naira. 25 quoi? Oui, 25 000 naira. Comment est-ce possible? 25 000. Tout ça là déjà. Ah. Je... Ah. J'irai seulement la supplier. Alors... Il faut qu'on la voie seulement. C'est la seule qui peut nous emprunter. Hein? S'il te plaît. Va la voir et dis-lui ce que j'ai dit. Dis-lui que la fin du mois, je vais payer. Grand frère, jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi? Et si un jour elle tombait en faillite, ou encore elle venait nous menacer ici? Bébé? Ah, bébé, tu allais faire du shopping sans moi. Il fallait attendre le week-end. On allait le faire ensemble. Je suis désolée, c'était une urgence. Je ne pouvais pas attendre. C'est bon. Alors, tu as rencontré un homme? Non, personne. Emilia, je te connais plus que quiconque. Je suis sérieuse, personne. Écoute, j'étais allée faire du shopping pour impressionner cet homme. C'est qui ce garçon? Je ne me rappelle pas. Le gars que je t'ai parlé, le gars que j'ai rencontré dans la salle de gym. Écoute, Filiane. J'ai pris mon temps de tout vérifier sur cet homme. Cet homme est vraiment riche. Il est tellement riche. Raison pour laquelle je t'ai allé faire du shopping pour l'impressionner.
Alors, de quel précieux es-tu en train de parler? Pour être capable d'attraper un singe, tu dois devenir comme lui. À la fin de la journée, j'espère avoir quelques minutes en venant de lui. S'il te plaît, Emilia, arrête de rêver. Chasseuse de singes. Filiane, je suis sûre de ces rancards. Permets-moi juste de convaincre Samuel pour qu'il me donne sa voiture. S'il te plaît, je te préviens, tout ce qui représente tes affaires ne m'associe pas. Je te donnerai sa mémoire si tu m'aides à convaincre Samuel. S'il te plaît. Chérie, tu m'as fait réaliser. Alors dis-moi, tu mangeais quelque chose? Honnêtement, je suis impatiente d'aller à Dubaï. M'amuser avec toi. Raison pour laquelle je voulais te voir. Ah, d'accord, mon amour. Passe une bonne journée. Je t'aime aussi. Bye. Emilia, je me suis réveillée à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela t'a choquée? Tu ne peux même pas paraître comme un boss. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu étais capable de le convaincre? Qui? Samuel, bien sûr. Voyons, Emilia, un homme qui t'apprécie réellement va t'aimer tel que tu y es, au lieu de te tourmenter presque tous les jours. Je ne comprends pas ce que tu me sors là. C'est maintenant un crime de paraître magnifique quand tu sors pour un rencard. Ma chère, tu n'essayes pas d'apparaître belle. Tu essaies d'apparaître plus riche. Tu veux impressionner. Mais c'est la même chose. La première impression compte beaucoup. S'il te plaît, parle-moi de Samuel. Tu veux connaître la réponse de Samuel? Oui. Oui, je lui ai parlé, mais je ne lui ai pas dit ce que tu voulais que je lui dise. Oh, attends. Pourquoi tu veux lui donner l'impression que tu es riche? Je ne comprends pas ce que tu me dis, Filiane. Tu m'as déjà oublié. Ce rencard va peut-être nous aider, non? Oh, mais Emile, laisse-moi te poser une question. Au lieu de prêter la voiture de Samuel, alors tu ne peux pas chercher quelqu'un d'autre à qui tu pourrais prêter une voiture, même chez tes amis. Et vas-y chez tes amis, ils n'ont pas de voiture à te prêter. De quel ami parles-tu encore? Tu n'arrêtes pas de me stresser à cause de ces problèmes. Je ne vais pas prendre cette voiture, je vais juste le prêter. C'est tout et je vais remettre. Je ne te comprends pas. Donne-moi cette voiture que tu veux me donner, non? Emilia, arrête de trop parler. Arrête de trop parler. De toutes les façons, je suis là pour t'aider. Je vais te trouver une solution. Tu veux une voiture? Je vais te trouver une solution. C'est quoi la solution? Grand frère, bonjour. Oui, bonjour. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, prends place. Vas-y. Grand frère, j'ai pensé à notre situation. C'est comme si tu as perdu la foi en prière. Et ça va finir tout ceci? Je sais, mais j'ai fait un rêve. Un rêve? C'est à propos de toi. J'avais vu maman et moi étaient venus ici pour parler de son argent. Elle criait tellement. Ok, ok, ok. Écoute, je comprends ta peur. Je sais pourquoi tu as peur, hein? À cause des dettes qu'on a vraiment accumulées pour maman et moi. Mais je t'avais dit depuis longtemps, ça va se résoudre. Mets-les dans ta tête. J'avais vraiment vu ça dans mon rêve et ça me dérange beaucoup. Cessons de nous endetter, Joseph, grand frère, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Allons voir maman pour lui dire notre situation. Je crois qu'elle pourra nous trouver de quoi manger. Est-ce que tu vas vraiment la fermer? On va aller, c'est facile. Tu connais très bien que maman est bipolaire, tu veux qu'elle meure? Maman, tu connais comment elle se sentira si elle découvre que elle sera brisée. Maman ne va pas mourir. Donnons-lui sa place. D'ailleurs, j'irai moi-même là-bas au village. Je pourrais même l'aider au champ. Comme ça, nous pourrions avoir quelque Est-ce chose. Est-ce que tu vas vraiment la fermer? Je n'approuve pas ton idée. Et tu vas rien faire du tout. Et personne ne sera en colère. Ne t'inquiète pas, tout va bientôt s'arranger. Alors n'aie même pas peur de la mort, parce que je la vois venir.
tu es rentrée si tôt? Ma chère, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Alors, qui s'est intéressé à toi aujourd'hui? Monsieur le bel homme. Qui est monsieur le beau? Filiane, comment tu peux oublier si rapidement? L'homme que j'ai rencontré à la salle de gym. Je me rappelle de lui. Alors, vas-y, raconte. Bien, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous avons un rencard aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Bébé, je reviendrai à la maison avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vais les déposer à la CBN. Après la Banque centrale, viendra le tour de la Banque mondiale parce que l'argent sert tellement beaucoup. J'étais en train de réfléchir. Peut-être que je dois trouver quelqu'un qui pourra m'aider à transporter cet argent. Parce qu'il y aura tellement beaucoup d'argent. Mon homme est vraiment très riche. Sois prête, chérie. Emilia, ne pense pas que je suis d'accord avec tout ce que tu es en train de faire. De toutes les façons, y a-t-il à manger? Qu'as-tu préparé? Je préparais les ignames et la sauce des œufs. Je les préparais spécialement pour toi parce que je suis de bonne humeur. Hey! Cette fois-ci, nous irons et revenir pour témoigner. Ma sœur, va t'en profiter. Mon ami, ne t'inquiète pas. C'est vraiment ton rêve, devenir un millionnaire. Donc, t'inquiète, sœur. Nous allons le devenir. Amen. C'est bon, je suis fatiguée. Laisse-moi. Ma sœur, savoure. Bébé, à quoi je l'air? Bébé, je pense que je dois vraiment te dire la vérité. Tu es tellement belle. Parce que tu as l'air d'un astre illuminé. Merci. Tu as l'air classique. Merci. Et sexy. Merci. Merveilleuse. Doucement, pourquoi des flatteries? S'il te plaît, mon homme complétera les compliments, s'il te plaît. Et nous qui n'avons pas d'homme. De toutes les façons, quel est le nom de ce restaurant? À la plus grande restaurant de la ville. Bébé, c'est l'endroit où tu vas. Bébé, c'est l'endroit où tous les hommes friqués vont se détendre. Et c'est l'endroit où nos politiciens vont pour se jurer avec les présents de cette nation. Tu peux le dire encore. Maintenant, tu comprends pourquoi je voulais paraître comme une politicienne. Je vois, bébé. Je te comprends. C'est devenu clair pour toi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça, bébé. De toutes les façons, je suis en retard. Je te vois dès que je reviens. Bonne chance. Merci. Ça, c'est mon ami. Je comprends maintenant. Comment est-ce que je vais les saluer? Je ne veux surtout pas paraître malheureuse, comme si je ne connaissais rien. Oh! Salut! Salut! Waouh! Wow. Tu es très belle. Non. Voyons, Emilia. Ça paraît moins cher et local. Comment je peux me comporter comme une dame riche? Comment je vais me comporter face à ce restaurant? Quand j'arriverai là-bas? Comment devrais-je m'appliquer? Amy, pense tout d'abord à ta conduite. Allô? Je suis justement devant le restaurant. Et où es-tu? Tu as parqué derrière le restaurant? Ok, tu me vois bientôt. Je pensais que notre rencontre allait vraiment être à l'intérieur du restaurant. Là où je pouvais me faire des amis et voir d'autres personnes. Je me permets d'abord de le tester. Bien. C'est probable que là où il m'appelait, peut-être mieux que ce restaurant.
Madame, où allons-nous? Oh, vas-y, fais un marche en arrière. Tu me déposes sur l'avenue derrière ce restaurant, dans un hôtel qui se... Oh, cette rue? D'accord. Allons-y, s'il te plaît. Allô? Je suis là. Je dois entrer? Ok. Prends ton argent. Merci. Salut! Waouh! Waouh! Tu sais, quand je vis ces parquet d'ailleurs, j'ai directement su que tu étais là. Oui, c'est ma voiture. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la tienne? Celle-là est l'une de mes voitures. Il semble que tu as changé de voiture. Ah, réellement? Alors, à quoi sert cet argent? Toujours mon chauffeur. C'est ce que je fais tous les jours. Oui, je m'assois. Je t'ai vu payer le chauffeur. Si. Prends place. Ah! Alors, laisse-moi me présenter. Mon nom est... Je ne peux pas l'oublier si vite. De toutes les façons, je m'appelle Amelia, mais mon ami m'appelle Amy. Waouh, c'est très joli. Wani, on était supposés se voir dans un grand restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis vraiment désolé, mais vous devrez savoir que Westgate est un endroit un peu difficile à indiquer aux étrangers. Ok, je vois. Ça, et c'est ta voiture, pourquoi il le prend? J'ai demandé à mon chauffeur d'aller laver la voiture et s'acheter de quoi à manger. Oh, waouh! Je pense que tu es vraiment un homme généreux. Tu prends très bien soin de tes travailleurs. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. C'est la nourriture. C'est ce que je fais. Prendre soin d'eux. Oh, excusez-moi. Serveuse, pouvez-vous venir? Apportez-nous deux bouteilles de Coca-Cola plus une assiette de soupe de cabri. D'accord, monsieur. S'il te plaît. Vous n'avez deux cuillères. Eh bien, madame, vous allez prendre quoi? Ça ne va pas? Est-ce que tu as tous tes sens? Je viens juste de dire deux bouteilles de Coca-Cola et une assiette de soupe de cabri. Désolé, monsieur. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Désolé pour ceci. Emilia s'est trompée. Je pensais qu'il était... Dépêche-toi, serveuse! Chai, c'est pour ça que je gaspillais l'argent pour aller faire du shopping. Si seulement j'avais écouté mon ami, j'allais même plus venir ici. Dieu va te punir en me faisant gaspiller trop d'argent juste pour te voir. Oh.
Waouh, cette soupe est très pimentée. Oh, il y a beaucoup de piment dans cette soupe. Hein? Pourrais-je avoir... Oh, merci beaucoup. Tu es une bonne personne. Ah! Alors, ma chérie, quand est-ce qu'on ira à Dubaï? Désolée, j'ai un appel. Oui? Oh mon Dieu, es-tu sérieuse? Merci, merci. Je dois aller maintenant, il y a une urgence. Oh, c'est moi maintenant? D'accord. Très bien. D'accord. Comment je vais dire cette malchance à mon ami? Ah, quel mensonge je dois fabriquer pour couvrir cette honte? Ok. Je n'ai pas pu aller à mon rencard parce que je faisais mes démarches pour aller à Dubaï. Oui, cela marchera. Ah, Emilia, tu es une vraie génie. Mon Dieu est tout puissant. Seigneur, toi tu connais tous mes problèmes. S'il te plaît, surprends-moi. Surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi. Même pour un contrat de 5000 naira. Hein? Ça va m'aider à payer toutes mes dettes. Seigneur Jésus, je prie. Au moment où tu entendras ma voix, mes larmes, Seigneur. Que le contrat vienne vers moi au nom de Jésus. Amen. Tu es... Mon cher, depuis quand tu es là? Il n'y a pas très longtemps, mec. Alors, mon cher ami, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mec, arrête de te faire tout ceci. Simon. Simon, pourquoi tu me demandes d'arrêter? Hein? Je n'ai pas demandé beaucoup. Juste... un contrat de 5000 naira. Ce n'est pas beaucoup pour moi. Je n'ai pas demandé beaucoup. Je souffre. Hein? Fabien, je sais. Je sais, Fabien. Je sais tout ceci. Même les contrats de 5000, je serais vraiment content. Mais là, regarde-moi. Je ne peux pas être comme un serpent. J'essaie d'envoyer les CV partout, dans beaucoup d'entreprises. Aucune réponse. Personne ne m'appelle. Qui a les boulots? Calme, mec. Calme. Calme-toi, mec. Calme. Je ne vais pas me c'est calmer. C'est un processus graduel. Quel genre de processus? Quand est-ce que j'ai même la barbe blanche? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu un groupe de construction qui était en train de supplier. Je ne suis pas censé supplier? N'est-il pas mon tour de supplier? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Fabien, cela signifie que cela n'a pas été fait pour être tien. Alors, comprends. Quand est-ce que mon temps viendra, Simon? Hein? Quand est-ce que, Simon... Quand est-ce que je vais toujours attendre? Quand est-ce que mon temps viendra? Quand est-ce que ça va arriver? Regarde-moi, je ne peux même pas me promener partout. J'ai des dettes partout. Des mamans Emma, des mamans Tika, même des papas Tinaka. Je ne peux même pas me déplacer et partout les gens me pointent des doigts. On commence même à m'appeler la dette. Assez mec, assez mec. Écoute-moi, tu dois apprendre à te calmer. Ce qui t'appartient finira toujours par te revenir.
S'il te plaît. Quand est-ce que mon temps viendra, Simon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si plaintif? Je me plains beaucoup. Ma tête commence à tourner là. Non, mec, s'il te plaît, arrête. Je n'apprécie pas ce que tu fais. Grand frère, je suis de retour. Oh, bébé. Bébé, depuis que nous vivons ensemble, je ne t'ai jamais vu dans cet état. Qu'est-ce qui t'est arrivé, non? J'étais en train de regarder au boulevard pour te voir peut-être, mais il n'y avait pas de roulage pour... Filiane, arrête s'il te plaît. Hé, comment est-ce que je peux arrêter? Pendant que tu m'as donné l'accord. S'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Je ne veux pas paraître comme si je n'ai rien. Alors, je dois m'habiller proprement, être classe et professionnelle. Alors? J'ai annulé les rencarts. J'avais une urgence pour préparer mon voyage pour Dubaï. Alors, j'ai annulé les rencarts. Je lui ai dit que dès que je reviendrai, je le verrai. Amy, je te connais très bien, oh. Amy, je te connais très bien. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité après avoir tout planifié la cérémonie que tu m'as expliqué ici, hein? Dis-moi, je suis ton bébé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit que j'ai annulé les rencarts. Tu as un problème avec ça? Oh, mais Emilia, je vis avec toi dans cette maison. Ça fait plusieurs années maintenant. Rappelle-toi que tu es ma meilleure amie. Je te connais très bien. Tu peux me parler, hein? Regarde tes yeux, je peux facilement comprendre. Dis-moi non, je suis ton bébé, crois-moi. Oh, c'est un secret que tu ne peux pas m'expliquer. Dis-moi non, je vais garder les secrets. Oui. Je t'ai dit que cet homme est vraiment un menteur. Il est pire plus que moi-même. Sais-tu que cet homme ne m'a pas amené dans le restaurant qu'il m'a promis? Il m'a amené dans un restaurant trop bas. Ah, Emilia souffre. Tu peux imaginer que cet idiot, il m'a commandé un plat de la soupe et 2 bouteilles de coca. Quand il a fini de prendre le tien. Ah, c'est quand tu ne satisfais même pas. Puis-je? Ah, merci beaucoup. Tu es une bonne personne. Ah. Emilia, attends. Alors, comment vas-tu me payer mes 200 000 naira que tu m'as promis? Dieu merci que tu n'avais pas cru en moi. Ma sœur, j'avais tellement honte de moi-même. Mais oui! Hey! Je me suis sentie disgracée. Tu sais, même la fameuse dupe qu'il a dû parler que c'était pour lui, qui était parquée d'ailleurs, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et cet idiot a eu l'audace de me dire que cette personne était son chauffeur. Je ne savais pas qu'ils nous ont peur de mentir. Hey. En tout cas, ça me dépasse. Cet homme doit vraiment être un très grand menteur. Il ment plus que moi. Oh, l'homme riche. Tu sais, laisse-moi te dire. Même l'argent que j'ai acheté des habits pour mettre dans mon corps, je ne l'ai pas eu. J'avais prêté de l'argent. Hey, l'homme riche. Ce n'est pas amusant, arrête de rire. Que j'arrête de rire. Je ne vais pas arrêter de rire parce que je t'avais prévenu. Emilia. Grand frère, ça c'est le riz, ça c'est les ignames et ça c'est le noeud douce. Quoi? Qu'est-ce que tu as raconté à maman pour qu'elle te donne toutes ces histoires? Hein? Dis-moi. Je n'ai rien dit à maman, sauf la vérité. Nous souffrons. Tu as dit à maman que nous souffrons? N'est-ce pas que c'est vrai? Il n'y a rien à mentir là. Simon, as-tu vu ce que ma sœur a fait? Fabian,
Et c'est quoi ton problème? Il y a quelques minutes que tu priais à Dieu de te bénir, tu comprends? Et de subvenir à tes besoins. Et il est clair que ceci est la réponse à tes prières. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu te plains? Ça, c'est la réponse à ma prière. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Tu as tout fait pour stresser ma mère? Fabian, il ne s'agit pas de stress ici. Personne n'est en train de stresser ta maman. Aucune femme dotée du bon sens ne pourrait laisser ses enfants souffrir ou mourir et elle regarde entre ses mains. Jamais. Et ce n'est pas comme ça que se comportent des bonnes mères. Alors elle a pleinement raison d'agir ainsi. Ma mère, tu as dit? Avant que je n'oublie, hein. C'est l'argent que maman m'a dit de te donner. 10 000 naira. Je serai contente de te rencontrer, monsieur. Aujourd'hui, je vais voir mon agenda et savoir si je serai dispo. Je suis une personne trop occupée. Oui. Ok. J'apprécierai te rencontrer finalement. Passe une bonne journée. J'étais entendu parler au téléphone. C'était qui? Un ami. Emilia, un ami qui n'a pas de nom. Emilia, tu n'es pas fatiguée? Pourquoi tu n'arrêtes pas de chercher l'amitié avec plusieurs personnes? Les problèmes que tu as rencontrés dernièrement ne t'ont pas enseigné? Filiane, vas-y, parle. Est-ce que tu t'es déjà dit de te reposer quand il s'agit de ton travail? Pourquoi je le ferai? C'est ce qui me permet de vivre. C'est la même chose. Quand le business s'effondre à cause d'un client, cela ne veut pas dire que tous les clients sont de même. Si tu n'as pas encore gagné, tu dois toujours continuer pour enfin gagner. C'est comme ça qu'on joue les jeux. Mon travail est digne d'être appelé travail. Emilia, énonce ce que tu fais. Je peux bien voir que mon travail te dérange. Je préfère le faire au lieu de devenir millionnaire avec ce que tu fais. Mais de temps, on est juste deux. Je sais. Filan, ne penses-tu pas que tu dois déjà le faire? Emilia, tu es vraiment ennuyante. Passe une belle journée avec tes appels. Femme d'affaires. J'aurais vraiment une très bonne, bonne journée. Oh, Père Tout-Puissant. Oh, que ton règne vienne. Père qui réside là au loin, que ton règne descende sur nous, viens assister ici avec les autres. Grand frère, c'est quoi encore? Grand frère? Grand frère, pourquoi? 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 À qui t'es là? Père Tout-Puissant, voici que ton règne vienne. Que allô? Ton règne descende. Oui, tu vas bien? Ouais. Peux-tu passer vite à la maison? J'ai besoin de toi. Il y a une chose. C'est bon, j'ai compris. Merci. Père Céleste, c'est le moment de... Allez, allez. Enlève tes mains vers moi. Oh, bon sang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon nom. Donne, tu laisse-moi. Pas, tu laisse-moi tranquille. Arrête de prendre, donne. Fabien.
C'est quoi le problème? Et donc tu veux me dire que ta maman t'a envoyé de l'argent à la sueur de son front et tout ce que tu pouvais en faire, c'est dépenser avec ce qui peut t'amener en enfer? Fabien, mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Simon? C'est quoi ça? Ce qui m'énerve, c'est qu'il devait payer les dettes avec cet argent. Il les gaspille dans l'alcool maintenant. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Donne-moi ma boisson. Laisse-moi boire. Je vais me sentir bien. Et Fabien, hein? Est-ce que tu connais, Fabien, ce qu'on appelle la dépression? Mais est-ce que tu sais si tu es en train de nager graduellement dans la dépression? Pourquoi, mec? C'est tellement correct. Je suis déprimé. La dépression, c'est mon nom maintenant. Regarde-moi. Essaye bien de me regarder, Simon. Je ne peux même pas payer une dette. Regarde-moi. Je suis rien du tout. Je ne peux pas survivre sans toi ou ma mère. Et Fabien, je ne me plains de rien du tout. Hein? Je sais comment tu as pu dépenser sur moi avant d'être refoulé. Et je sais comment tu avais toujours l'habitude de payer mon ticket quand j'étais en République tchèque. Et Fabien, ce n'est que pour moi que tu faisais toutes ces choses. Alors je te suis suffisamment reconnaissant, Fabien. Oh. Le bon moment est en train de venir. Oh, mon cher. S'il te plaît, mec. Puis-je te poser une question, Simon? Toutes les choses que tu as juste mentionnées, je ne peux même pas les faire. Je ne peux rien faire du tout maintenant. Tu ne peux pas continuer ainsi, grand frère. Oh, arrête, ça. Grand frère Simon, s'il te plaît, parle-lui. Il est mon unique grand frère. Je t'en prie, dis-lui quelque chose. Mais avant tout, tu dois arrêter avec ses habitudes de toujours boire. Premièrement, ce n'est pas bien pour ta santé. Et deuxièmement, quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu change d'abord ses habitudes. Tu ne dois pas aspirer à la bénédiction divine avec cette façon de boire l'alcool. Tu dois arrêter avec cette mauvaise habitude d'alcoolisme, même si c'est pour rien au monde, mais pour le bien de ta santé. Ok. Pasteur, prêche-moi. Pasteur, vas-y, prêche. Ou devrais-je dire, docteur? Non. Docteur, pasteur, Simon, laisse-moi juste boire ma boisson, hein? S'il te plaît, laisse-moi. Oh, Fabien, hein? Calme-toi, mec. Dieu lui-même a accepté que tout ceci puisse t'arriver pour que quand les gens te verront, ils puissent glorifier son nom. Et tout ce qu'il fait, il les trouve bon. S'il te plaît, la joie de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vraiment. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu es en train de nous prêcher aujourd'hui. Et tu sais ça. Et tu ne les verras plus jamais. Nous devons aller à l'église. Tu vas nous prêcher là-bas. Amen. Quand est-ce que ça finira? Très bientôt, mec. Très bientôt. Oui, très bientôt, mec. Tu sais, Dieu a sa façon de faire les choses. C'est ce que tu dis. Tu sais, mec, même si tu te permets de souffrir aujourd'hui, sache qu'il a des très bonnes raisons pour ça. Et sache que très bientôt, toute cette façon de souffrir, c'est se transformant en miracle et les gens lui rendent le Seigneur pour ça. Je connais mon ami depuis beaucoup d'années, qu'il était un pasteur. Prêche-moi, pasteur Simon. Fabien. Prêche-moi. Fabien. Prêche-moi. Fabien, mec. Prêche-moi. S'il te plaît. Écoute, Simon. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire quand tu manges comme un roi? C'est tellement merveilleux. Pas manger n'importe quoi. Il faut manger bien. Et tout cela, il faut avoir de l'argent. Et l'argent, je n'ai pas. Les salaires, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. Tout ce que j'ai, c'est ma boisson. Laisse-moi boire. Et Fabien, calme-toi. Fabien, apaise-toi, mec. Hein? Et tout ceci n'est qu'un test pour le moment. Okay. Et tout ceci, ça changera en un clic. Je te les promets. Okay. Je te les promets. Okay. As-tu fini, calme, pasteur? Mec. As-tu fini, pasteur? Oh,
Bonjour. Oh, Chief. C'est toi, Emilia. Oui, Chief. Ah, Chief, tu sens très bon. Ça doit être une nice girl comme avec Yos Elisabeth. J'aime votre combinaison. Merci. Je suis Emilia et tu dois être Chief Kaïdi. Bien sûr. Je dois t'avouer que cette intelligence que j'ai constatée en ligne n'est pas différente de ce que je suis en train de voir à l'œil. Je veux aussi dire que ton hospitalité est venue aussi rapidement que tu l'avais promise. Un peu d'excuses pour ça. Oh, je suis désolé. C'est que j'étais un peu occupé en faisant autre chose de l'autre côté. Ok. Oh, devrions-nous aller manger? Chief, j'aime le respect et la dignité. Je préfère mieux rester dans ces bars. Je pense que nous devons d'abord nous connaître avant de passer à autre chose. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas non plus pressé pour ça. Alors, prends place. Merci. Alors, est-ce qu'on peut se connaître? Oui, je t'en prie. Je m'appelle Emilia, la première fille de Chief Baissa Wissam. Mes parents vivent à l'étranger et moi je vis ici avec ma sœur. Je suis une ingénieure particulière. Je travaille avec le gouvernement. Oh, je suis tenté de dire que tu es vraiment une millionnaire. Tu peux le dire encore, Chief. Mais cela ne veut pas dire que je dois m'évader pour ça. Comme l'on dit, le mot ne suffit pas. Oh oui, bien sûr, Chief Kayede, le chef suprême d'Osobo dans tout cet état. Je suis une entreprise généralisée. Nous travaillons dans tout ce qui sort là, parce que tu sais, l'argent n'a pas de limite. Et on inclut aussi les bandits. Ah. Est-ce que tu es sérieuse là? Bien sûr que je ne suis pas. C'est normal, tu sais, je pensais qu'il serait mieux que j'aie le numéro, les détails en compte. Et tu sais, je voudrais te faire une faveur. Waouh, cela sera génial, Chief. Merci infiniment. C'est un plaisir. Waouh, alors... comment est ta famille? Oh, ce serait aberrant si je te disais que je n'étais pas mariée. Bien sûr, je suis mariée. Mais toute ma famille vit en Angleterre. Oh, ok. Alors, comment tu t'en sors du stress en regardant ce que tu es? Oh, bien, j'ai des employés qui prennent soin de moi. Oh, parfait. Oh, pardonne ma mauvaise habitude, je ne t'ai rien offert. Alors, qu'est-ce que je pourrais te faire alors? Du champagne. Salut bébé, toujours le travail, à tout moment tu travailles. Donc si tu ne travailles pas au bureau, tu travailleras à la maison, repose-toi, non? Ma chère, je dois travailler sur quelque chose. Bébé, tu as l'air si joyeuse, raconte-moi. Je suis contente, oh, ma sœur. Tu sais cet homme avec qui je parle au téléphone hier? Cet homme est vraiment riche. Tu vois cet endroit où cet idiot n'avait pas pu m'amener, c'est bon à rien. Mais cet homme m'a amené là-bas. Si tu voyais cet endroit, très très magnifique. D'ailleurs, cet endroit, c'est comme au paradis. C'est juste pour les gens riches. Hey, je souhaiterais qu'il soit là. Je souhaiterais qu'il me voie entrer dans cet endroit. Pour qu'il sache que
Les endroits que je fréquente, il ne peut pas les fréquenter toute sa vie. Bébé, peux-tu juste oublier à propos de ces garçons? La manière dont tu es en train de me parler de cet homme qui t'a mis dans ce restaurant, je pense que tu l'as vraiment bouffé de l'argent. Tu l'as vraiment vidé. Cet homme possède beaucoup de biens. Tu devrais voir sa façon, sa voiture, son odeur. Chaque chose de cet homme montre l'argent. Écoute, il utilise un parfum extraordinaire. Je ne l'ai jamais utilisé toute ma vie. Cet homme possède tout. Hey! C'est bon, mais la manière dont tu es en train de me décrire cet homme, je pense qu'il doit être un homme marié. Oui, il est marié, mais sa famille n'est pas ici, sa famille est à l'étranger. Oh, sois juste sage. Tu es la bienvenue, je pense que tu m'as apporté des bonnes nouvelles. Ma chère, de quelle chose tu me parles? L'argent que cet homme a envoyé dans mon compte, ça peut nous acheter tout ce qu'on veut. C'est une bonne chose. Bien, il y a de la nourriture dans la cuisine, alors repose-toi et mange quelque chose. Je ne suis pas intéressée, juste donne-moi un peu, je vais goûter. Ah ah! Donc, comme tu as mangé au restaurant, tu ne peux pas goûter ce que j'ai préparé. Prends ton sac, va dans la chambre et reviens manger. Non, non, non. C'est pas ce que tu crois. Je t'aime. Ah, celle-là, elle est ici. Que je lui passe le téléphone. Fais attention. Allô, Dantine. Je vais bien, merci. Et toi? Tu manques à quelqu'un ici. Tu viens quand déjà? Comme ça, je pourrais voir ton visage. Ok, d'accord. Bye. Hey, bébé. Juste... Ah non. Je fais un truc, bébé. Je t'appelle après. Salut. Qu'est-ce que tu veux dire par? Rien du tout, j'ai juste besoin d'eau. Il serait mieux que ce soit rien du tout. Alors, on va prendre de l'eau. Et ça va changer, mec. Simon, tu peux... Peux-tu juste arrêter, s'il te plaît, arrêter de faire comme s'il n'y a rien du tout? Toi et moi savons très bien que les choses vont continuer comme ça, ça ne va pas changer. Ne vois-tu pas que Dieu m'a oublié? Oh, arrête ça. Arrête ça, Fabien. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants, peu importe la situation. Regarde-moi très bien. C'est tellement évident que Dieu m'a oublié. Mec, c'est ça la vie. Nous sommes tous passés par là. Combien de temps? Simon, combien de temps je dois continuer à souffrir de cette façon? Regarde-moi juste, ça c'est la 5e année que je suis dans ce pays et rien ne change. La vie était mieux lorsque j'étais là-bas, à l'étranger. Oh Fabien, arrête de dire ça. Dieu est capable de te bénir partout, n'importe comment et quand il le veut. Rappelle-toi qu'il est Dieu. Dieu... Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment pour que tu me bénisses. Et Fabien, la parole des hommes est différente de celle de Dieu. Mais elle demeure la parole de Dieu. Et le même Dieu a dit, demandez. On vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et Fabien, continue à frapper. Et Dieu finira par ouvrir la porte. Ah, oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rappelé de quelque chose. Qu'en est-il de ta copine, celle avec qui tu sortais en ligne? Laquelle je ne l'ai pas appelée. Je veux parler de cette fille, ingénieur. Oh, on va tout juste de parler. Et comment ça évolue entre vous deux? Bien.
Ne penses-tu pas que c'est le meilleur moment pour toi de s'ouvrir à elle? Tu peux juste lui parler pour être celle qui t'aidera à sortir de cette situation. Simon, c'est toi qui as dit ça. Attends une minute, Simon. Tu veux que je lui demande de l'aide? Oh non, voyons, Simon. Ma relation n'est pas basée sur ça. C'est juste une relation partielle, une relation des réseaux sociaux, c'est tout. Tu veux vraiment que je relate mes problèmes? On ne se connaît même pas vraiment. C'est ce que tu veux? C'est tout ce que tu veux vraiment que je fasse, hein? Fabien, est-ce que tu peux mettre de côté ton ego? Et ne permets pas à ton cœur d'agir contre toi. Et cette dame pourrait être la solution à tous ces problèmes. Hein? Écoute, et cette situation pourrait être pour toi une porte menant vers la solution. Et surtout ta bénédiction. Simon, es-tu au courant que cette fille est en train de me voir comme un vraiment gentleman qui veut prendre soin d'elle? Et là, je me mets en train de lui demander. Non. Non. Commence par lui donner une chance. Parle-lui d'abord. Simon. C'est pas vrai, Simon. En ce moment-là, je n'ai même pas la tête pour ça. Je ne m'imagine pas en train de lui raconter ma vie. Tu veux vraiment que je me mette devant elle pour raconter mes problèmes? Hé, hey, c'est pas possible. Un aventurier, un escroc. Tu comprends? Hein? Fabien, l'orgueil ne nous aide en rien. Mais tu peux me dire de commencer en premier. Le seul moment que je peux exposer mes problèmes, c'est quand on est face à face, comme toi et moi, ou encore on se connaît en privé. Et Fabien, il n'y a aucune erreur en essayant. Bébé, pourquoi tu ne dors pas? Et s'il te plaît, peux-tu diminuer le volume de tes messages? Plutôt le volume de ta sonnerie, ça m'empêche de dormir. Je suis dans mon bureau. Mais il fait tard. C'est le moment que ma tête peut faire de l'humour dans mon compte. D'ailleurs, ceci est le bon moment pour que je parle avec mes abonnés. Hein, laisse-moi un peu appeler mon soi-disant petit ami. Qui n'arrive même pas à faire un rencard avec moi. Mais tu dois dormir maintenant. Arrête de distraire ce pauvre garçon. Qui t'a dit qu'il est pauvre? D'ailleurs, j'essaie de le séduire beaucoup cette nuit pour qu'il trouve une raison de plus de venir me voir. Hein, laisse-moi d'abord l'envoyer mes photos sexy. Emilia, n'es-tu pas la seule qui m'avait dit que le chief avait envoyé 3 millions de dollars sur ton compte? Alors pourquoi chercher une autre source de revenus? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que l'argent est mauvais? Prends ton salaire et ne fais rien avec. S'il te plaît, laisse-moi appeler. Juste rabaisse le son de ton volume et ton message vocal, je veux dormir. J'ai tellement sommeil, je dois vraiment dormir. Bonsoir bébé, comment tu vas? Salut bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis surpris que tu penses à moi aujourd'hui. C'est moi qui devrais te dire cela. En ce moment, je suis un peu occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que j'agrandisse mon entreprise. Ne te dérange pas pour cela. Je t'aiderai. Babe, j'ai vraiment envie de te voir. Mon corps, mon âme, mon esprit ont besoin de toi. Comment va mon bébé chéri? Très bien. Tu es en train de parler de cette histoire, hein? Bébé, là vraiment, tu me rends faible. Bébé, comment tu veux dire que je te rends faible? Bébé, tu as volé mon cœur avec ta super hanche. Et maintenant, tu me dis que j'essaie de casser tes jambes. Est-ce que tu étais en train de blaguer quand tu m'as dit que tu m'aimais? Non, pas du tout. C'est juste que
Je ne croyais pas que tu allais me dire une chose pareille. Comment est-ce que je suis censé connaître une belle fille comme toi? Quand on se verra, bien sûr. Je mourrai en posant mes yeux sur toi. Tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Et maintenant tu es là, mais je sens comme si tu étais surprise que je sois ta femme. Tu me rends totalement confuse. Je ne suis pas. Je ne suis pas confus, bébé. Je t'aime beaucoup et tu le sais très bien. Donne-moi juste quelques temps et tout va s'arranger. Un peu du temps comme? On peut dire que... Des semaines seront suffisantes pour que je me range. Ok, mon prince charmant. Je souhaiterais vraiment entendre des beaux mots d'amour avant que tu ailles dormir. Très bien, ma chérie. Passe une très bonne nuit, mon prince charmant. Et tu salueras ta soeur de ma part. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'elle est en train de parler, cette fille? Oh, garçon, réfléchis. Réfléchis. Oh, je suis vraiment excitée pour le voir. Et voilà un autre homme riche. Laisse-moi vite appeler mon petit ami. Oh. Chérie, tu n'es qu'une menteuse. D'ailleurs, tu dois être la prochaine star hollywoodienne. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes d'être une actrice de Bollywood? Je t'ai dit que j'en avais besoin. Parce que tu joues tellement bien. Et même si quelqu'un était à tes côtés, il tomberait dans tes mensonges. C'est un travail. J'imagine que tu n'avais pas été enseignée parce qu'il t'est arrivé autrefois. Babe, c'est juste les hommes pauvres qui courent derrière le fil qui les déçoit. Les gens riches avancent. Et s'ils n'en veulent pas? Et cela est-il difficile? Ah, tu sais quoi? Emilia, s'il te plaît, ne peux-tu pas aller en bas et arrêter de distraire mon sommeil? J'ai besoin de dormir. Parfait, laisse-moi juste aller. Continue avec mon travail au salon. Voici. Bien sûr, c'est pour moi. Nous voilà. Et c'est vraiment comme ça que j'ai toujours voulu que tu sois. Très joyeux. Et Fabien, tu parais heureux. Tout ça grâce à Dieu. Enfin, je t'appelais Pasteur Simon. Je commence à t'appeler Prophète Simon. Et pourquoi tu as dit ça? Parce qu'après avoir me parlé hier, soudainement, elle m'a appelé. Je veux dire mon ingénieur petit ami. Elle m'a appelé et elle m'a dit que je lui manque beaucoup. Et cela signifie que tu lui en as parlé? Non. Et pourquoi? J'étais encore, hein? Au moment où on aura un rendez-vous, c'est là je verrai quoi lui dire. En fait, ça sera propre si je lui parlais, en fait, en face. Très bonne idée. Oui. Très bonne. Alors, c'est pour quand? Je lui ai dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui, parce que je... Et pourquoi? 2 semaines parce que je lui ai dit que je suis occupé. Ne penses-tu pas, mec, que c'est très loin par rapport à tout ce que tu attends d'elle? Non, pas ça, Simon. Non, je suis bon dans tout ce que je fais, en fait. Il faut que ça aille étape par étape. Si tu attaques, ça marche. On doit aller doucement. Une étape après l'autre, c'est tout. Elle a l'air quelqu'un qui veut vraiment m'aider. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle connaîtra tout. C'est une très bonne idée, mec. Une très bonne idée. Bien sûr. Je suis fier de toi, mec. Et ça mérite une célébration. Qu'est-ce qu'on attend encore? Alors, à la brise glace. Voilà. Pour l'amour. Je suis très fier de toi, mec. Allô? Bonjour, monsieur. Je vais bien, monsieur. Et vous?
au bureau. Maintenant. Ah. Très bien, monsieur. Très bien. J'arrive. Déjà. Déjà en route. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, monsieur. Et qui est-ce que c'est? Ah, le PDG de l'entreprise dont j'ai déposé les dossiers. Il a besoin de me voir dans son bureau. Maintenant. Pourquoi? Mais pourquoi tu me demandes pourquoi? En fait, j'ai déposé les dossiers dans son bureau. Il veut qu'on se voie. Oh, mec, cela signifie que cela a été accordé. Mais alors, mais quoi, nous devons nous empresser. Tu me sous-estimes? Tu me sous-estimes? À la brise glace. Le haut niveau. Les niveaux élevés. Les niveaux élevés. Ah, oh, mec, je t'avais dit que Dieu va ouvrir les portes. Je te l'avais dit. Cette fille, elle est comme un ange. Avec des ailes. Des ailes. Ça, c'est mon mec. Regarde Fabien. Encore une fois. Encore une fois, au bonheur. Les niveaux s'élèvent. Oui, Fabien. Monsieur. J'ai dû parcourir tout ton dossier et je t'avoue que je suis vraiment satisfait. Merci, monsieur. Et nous allons vraiment signer le contrat. Merci, monsieur. Merci bien, beaucoup, monsieur. Bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. 2 millions en premier. Monsieur, mais pourquoi comme ça? Mais vous avez confirmé déjà que vous êtes déjà prêt. 2 millions encore comment? On s'était entendu pour 20 millions. Au moment où vous m'avez parlé de ce business, j'étais content. Je savais que vous seriez mon partenaire d'affaires. Avec ce montant, je ne sais pas ce que je dirais à mes partenaires d'affaires. Avec ce montant, ils penseront que je ne suis pas sérieux. L'offre est tellement petite. Est-ce que vous pouvez mettre 5 millions seulement? S'il vous plaît. C'est à prendre ou à laisser. Merci, monsieur. Très bien. Tu devras signer ici. Tu vas aussi signer ici. Et ça, c'est ta copie à toi. Et pour moi, tu vas signer ici. Et aussi ici. Merci, monsieur. Et je t'en prie. C'est ça, monsieur. Une chose de plus. Oui, monsieur. Mon entreprise est réputée de bonne qualité. Et si tu veux qu'on travaille mieux, ne travaille pas avec des choses de basse qualité. Je vais vous livrer, monsieur. Promis. Ce vendredi aujourd'hui. Et tu pourras commencer le mardi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Fabien. Monsieur. S'il t'est arrivé d'avoir un prochain rendez-vous comme ceci, ne bois jamais. Oh, mec, tu es déjà de retour. Alors, raconte comment ça a été. Comment ça a été, mec? Qu'est-ce que tu voulais que ça soit? Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas ce que je cherche? Et comment? Et comment est-ce que l'alcool peut t'avoir empêché d'obtenir ce contrat? Boire! Simon, tu as oublié ce qui s'était passé. J'étais ivre. Mon propre projet est en train d'être volé. Et alors? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas à nouveau une entreprise de 20 millions au camp dans un seul rendez-vous? Quelqu'un qui réduit tout ça en miettes. Oh, attends. Cela signifie qu'ils ne boivent pas dans leur entreprise ou quoi? Je ne sais même pas pourquoi tu ne me comprends pas. Hein? Essaye un peu de me comprendre.
je suis en train de te dire que tu as une proposition des affaires avec quelqu'un et à la première fois, ça bouge suivre sans rien dire. Un business de 20 millions de naira avec quelqu'un comme ça. Dis-moi. Non, es-tu en train de dire qu'il t'a d'abord remis 2 millions et alors tu passeras à récupérer les 18 millions restants? Il a dit 2 millions. Alors c'est très bon, mec. Et c'est vraiment bien, mec. Et ces 2 millions, c'est pour toi une garantie que tu passeras à récupérer les 18 millions. Est-ce que tu comprends exactement ce que je suis en train de dire? Comment je vais partager? Comment est-ce que je vais faire? C'est la raison pour laquelle j'ai dit 20 millions de naira. Pour tout résumer, je suis arrivé là-bas en retard. Mais tu es parti juste quand il t'a appelé. Embouteillage. Embouteillage, raison pour laquelle je l'ai laissé en route. Ce n'est pas... Mon cher, non. Arrête. Mec, écoute. Et tu es allé, mec, pour un deal. Pour 20 millions. Et on t'a donné 2 millions. On t'a promis que si tu travaillais très bien, tu retourneras récupérer les 18 millions. Pourquoi tu te plains alors, mec? Si tu ne les as pas eu, tu pourras les avoir demain. C'est quoi le problème? Et tout ce que tu as à faire, c'est bien travailler avec ces 2 millions naira. Et les 18 millions restants t'appartiendront. Oh, voyons, relax. Attends. Comment est-ce que je vais les faire? Et tu es sérieux là, mec? Filiane, je vais te parler, s'il te plaît. Assieds-toi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Quel est le problème? Il y en a plein. Comment tu peux être si discrète pour ne pas partager des choses avec moi? Emilia, j'ai l'air d'être dérangée par quoi que ce soit. Rien ne me dérange, je vais très bien. Et donc tu continues encore? Si tu ne partages pas tes secrets avec moi, tu le feras avec qui? Emilia, tu ne fais que tourner autour du pot. C'est quoi le problème? Je vais bien et tu sais très bien que je ne te cache rien du tout. Je vais parfaitement bien. Dans ces cas, tu peux les garder si tu veux. N'as-tu pas reçu un message de Katamia Mera? Tu l'as su? Et pourquoi je ne le saurais pas? Tu m'appelles ta meilleure amie, mais tu n'arrives pas à partager tes secrets avec moi. C'est évident que tu t'es dérangée à propos de cet argent. Tu traversais tout cela, mais tu ne m'as jamais fait savoir. Je te connais mieux que toi-même. Pourquoi tu peux me cacher ce genre de secret? Je devais au moins le savoir. Alors dis-moi, comment es-tu au courant de ça? J'ai rencontré Chief quand il dit transférer l'argent dans ton compte. Il m'a demandé si j'avais compris des serres. Je lui ai dit que c'était que toi. Alors il m'a demandé tous les détails. Dans ma présence, il a transféré 400 000 naira dans ton compte. Je devais le savoir. Je suis ta meilleure amie. Ok, alors je suis désolée, je voulais juste me rassurer de la source avant de te le confirmer. Oui, je savais bien que tu allais me permettre de le garder. J'étais juste en train à connaître si possiblement il était intéressé, alors je suis désolée. Qui est le chief Kayode? Tu peux garder l'argent, c'est le tien. Je te dirai qui il est après. Mais bébé... C'est vraiment beaucoup d'argent. 400 000 naira? Mais quel métier que je peux faire? Filiane, tu devrais être reconnaissante. J'avais aussi de ma part 600 000 naira. Es-tu sérieuse? Alors, comment penses-tu que la banque va me libérer cet argent? C'est comme si on retranche 1 million du compte de Duf, tout est parti. Il a vraiment beaucoup d'argent dans son compte, alors il ne se dérange pas. Il paraît être généreux, si seulement c'est le cas. C'est ça.
Tu sais, dans notre conversation, il disait que déconstruire un orphelinat, dessine. Oh, c'est très gentil de sa part. C'est vraiment un homme gentil. Oui. Dieu va le bénir. Oui, bien sûr. Je dois vite appeler mon petit ami. Alors, lequel? Aldo, je t'avais parlé, on a eu encore deux. Oh Fabien, dis-moi quoi j'ai dit ça. Où vas-tu comme ça mec? C'est comme quelqu'un qui a eu un très bon travail dans un hôtel de luxe. S'habiller comment? Pour une affaire de travail et qui demande beaucoup d'argent, je dois changer. Oh non, reviens. C'est pas ce que je veux dire. En fait, tu parais magnifique. Vraiment? Alors dis-moi, où vas-tu mec? J'ai rendez-vous avec Cindy. Et Cindy? Oui, Cindy. Et qui est Cindy, mec? Simon. La fille dont je t'avais parlé. Oh, donc tu veux dire que c'est cette dame ingénieure? Oui. Oh oui. Et aujourd'hui, je vais la dévorer jusqu'à la fin. Enfin, je vais la dévorer à tel point qu'elle aura la grossesse de moi. Et comment? Elle a parlé comme si c'est quelqu'un qui a ce période. Tu connais comment les filles se comportent. Oh, pousse te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Et tu vois, c'est le moment là d'attaquer. Mec. Oui. Et sois juste toi, mec. Laisse-moi te prévenir, mec. Et tu dois prendre en compte mon conseil. Mec, n'y va pas sans avoir exécuté ces contrats. Mec. Oh, s'il te plaît, Simon. Tu parles comme un pasteur. Écoute. Je sais comment je planifie les choses, hein? Je ne vais pas dépenser cet argent-là. Je sais très bien que c'est pour le travail, hein? Écoute, je ne vais pas jouer avec ça. Pour chaque moment de 2 millions de naira, je pense avoir 5 millions de naira. Tu connais comment ça se passe? 5 millions de naira, tout est parfait. Voilà le calcul. Messieurs, oui. La loi de la prudence dit ceci. On bat le fer. Et quand il est chaud, mec. Écoute ici. Vaut mieux un que tu as que deux qui sont encore en bourse. Mais laisse-moi te dire un truc vite fait, Simon. Je suis l'un de quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage. Toi, tu connais comment ça marche. Même si elle me dit qu'elle est dans ses périodes. Enlève, on mange. Et je te préviens, mec, n'y va pas sans avoir exécuté ce contrat. C'est tout ce que j'ai à te dire. N'y va pas. Ça, c'est une punition. Enlève. Je veux celle-là. Tu le vas à combien? Oh, celui-ci, c'est 800. Et ça alors? Toi, tu es ma cliente potentielle. Je l'ai mis à 100 000. Toi, tu as combien? Oh, j'aime ça. Et ça, oui. C'est à combien? Ce sont des bons tissus. Ça, c'est 600. 600 naira. J'aimerais bien voir celle-là. Ok. Madame, s'il te plaît, laisse-moi te dire. Ne me déçois surtout pas. Je n'ai aucun problème, voyons. Désolée, okay, excuse-moi. Allô, bébé? Oh, bébé, je vais juste te faire savoir que je suis en route. Je suis prête. Je suis au salon. Oh, bébé, tu ne peux pas être au salon. Tu sais très bien qu'on a un rendez-vous. Je le sais très bien. Je voulais juste te mettre quelque chose sur ma tête. Tu sais... Mais je finirai avant que tu n'arrives. Je suggère qu'on parte à partir d'ici. Alors tu veux que je vienne au salon, c'est ce que tu veux? Oui. Si seulement tu ne seras pas dérangé par le fumeur qui sont ici. Mais il fallait me dire bien avant. Hein? J'allais déjà venir là-bas. Hein? Ok, je suis en route, j'arrive déjà. D'accord. Très bien. Ok? À tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime aussi, bye. Madame, s'il vous plaît, faites vite. J'attends quelqu'un. D'accord. Il arrive. Oh, regarde-toi. Bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, prends place. Très bien. Ah.
Tu veux quelque chose? Ah, non, merci. Es-tu sûr? Ça va. Ok. Emily, où est-ce que tu iras avec cet homme? J'espère que tu t'es vraiment préparée pour gaspiller aujourd'hui. Cela ne peut pas sortir de mes mains. On verra là où tu vas prendre l'argent en tant que mari. Tu vois cette fille? Elle peut te mentir jusqu'à mourir. Aujourd'hui, tu vas la sentir. C'est fini, madame. Vous pouvez partir. Ok. Combien coûte tout ceci? 600 naira. Vous pouvez me donner votre numéro. Je vais utiliser ma carte bancaire. D'accord. Maintenant. Madame, désolée, j'ai oublié ma carte bancaire. Ah, ok. Même le transfert. Ah, je n'ai rien dans mon téléphone. Et ton petit ami est déjà là, non? Mais il n'est pas... Payer quoi? Ah, voyons, arrête de déranger ma femme comme ça. Ça coûte combien déjà? 600 naira, monsieur. Seulement? Ah, je le fais tout de suite. Le numéro? Alors, on y va chez toi? Mais pourquoi? Pour qu'on échange. Ce n'est pas nécessaire. Ah, je me suis déjà bien habillée. Nous pouvons juste aller dans un hôtel parce que j'ai envie de t'avoir entre mes mains. Je t'ai vu du téléphone et j'ai vraiment envie de t'avoir entre mes mains. Je savais que tu dirais ça. Je ne manquerai pas de faire de toi la mère de mes enfants. Ça, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors, où veux-tu qu'on aille? C'est moi qui commande ici. Je vais juste t'amener quelque part dans un très bon environnement où nous pouvons s'éclater et bien faire l'amour. Je pensais que on allait tout droit, hein, au but. Hein? Fabien, le vrai amour ne se cache jamais. Ça doit juste être vrai. Je pense que tu viens de parler des mêmes choses à la fois. Tu ne l'as pas dit, alors je devrais t'aider de te le dire. S'il te plaît, demande la voiture, partons, nous sommes déjà en retard. Bébé, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Non, tu n'as pas l'air bien pour moi. Es-tu sûr? Ouais, je vais bien. Arrête! Quoi? J'ai vu quelque chose. Parque juste à côté, s'il te plaît. Combien coûte ceci? Oh, c'est chouette, je l'adore. Ça vous ira très bien, madame. Donnez-moi. Et à combien coûte ceci? C'est 7500. 7,50? Oui. Tu peux le prendre. Apporte-le-moi. Chérie, est-ce que ça va? Oui, très bien. Désolée, la clim est allumée? Ah oui. Vous êtes sûre? Bien sûr que oui. Ah, elle est au maximum? Oui. Ok, bébé, je ne sais pas quelque chose qui ne va pas. Bébé, je suis chaud. Je vais attendre dehors. Bébé, cela ne sera pas nécessaire, ok? Bébé, faisons le shopping ensemble. Essayons un peu de passer un petit moment ensemble. D'accord? Ok. Et à combien tu vends ces chaussures? Ça, oui. Madame, ça c'est 500 000 naira. Je le prends aussi. Bébé, mais les prix, mais c'est un peu très cher ici, tu vois pas? Oh, cela ne sera pas nécessaire pour connaître le prix. D'accord, madame. Madame, et à combien c'est cela? Ce n'est pas. C'est le même prix. Ajoute-le aussi. Ce n'est pas. Et combien ça coûte le tout? Ça fait 980 000. Seulement? Ok, chérie. Hmm? Tu peux m'aider rapidement à de transférer 980 000 dans son compte? Aujourd'hui? Oui, maintenant. Non. Oui, maintenant. Oh, bon sang. Je ne m'imaginais pas faire ça aujourd'hui.
Appelle ton numéro pour lui. 00666. Mon Dieu, je suis fini. On n'a même pas encore fini les rencarts et l'argent est terminé. Qu'est-ce que je lui dirai maintenant? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Oui, bien sûr que je vais bien. Non, tu ne l'es pas. Tu as l'air un peu dérangé. Pourquoi? Oui. Je vais bien. Écoute, si on le fera vraiment, tu dois être très transparent envers moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais même pas comment ce que je vais dire. J'ai un peu des doutes. Comme tu as dit que nous devons être vraiment transparents, combien d'argent ça prendra toutes ces histoires, hein? Tu sais que nous devons partir se promener ailleurs, un peu partout. J'ai juste vérifié dans mon compte pour qu'il y ait 2 millions pour les transferts. Hein? Tu sais qu'on dépasse beaucoup d'argent. Il fallait que je mette 7 millions. Et c'est fini et dans mon compte. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est lui qui s'en charge, n'est pas connecté. Et je ne sais même pas comment je vais contacter d'autres personnes pour avoir l'argent. Tu sais, je suis juste en train de penser comment je vais trouver, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire des dépenses, pour terminer notre journée. Et c'est pour cela que je l'ai perdu. C'est pour cela que tu t'inquiètes pour cet argent? T'inquiète pas. Nous partons chez moi et je vais voir ma carte bancaire. Je te rembourserai tout ce que tu as gaspillé aujourd'hui. Non, non, ma chérie. Tu sais, pourquoi tu dis ça? Mais cela ne me dérange pas. Laisse-moi le faire. Démarre la voiture et partons. Oh, tes histoires! Oui. Oh! Voilà. Voyons, tu as beaucoup d'affaires, je vais t'aider. Non, ça me va. Je vais juste rapidement à la maison prendre ma carte bancaire et puis revenir. D'accord? C'est bien, mais j'aimerais vraiment t'aider. C'est bon, fais-moi confiance. Ok, allons-y. Mon amour, tu ne peux pas venir avec moi, d'accord? Mes soeurs et frères sont à l'intérieur, alors je ne veux pas qu'ils te voient, on vient à peine de se rencontrer. Quand le moment viendra, ils te verront. Ok, ça ne prendra pas assez de temps. Très bien. Ok, prends soin de toi. Je serai bientôt de retour. Bientôt. Attends-moi. Je t'attends là. D'accord. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je t'aide? Non, ça va, crois-moi. Ok, je t'attends ici. Putain.
Ah, mais comment est-ce qu'elle a traîné comme ça? Ça fait beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je ne sais pas. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Monsieur, tu es ici il y a très longtemps, après avoir déposé la fille avec le sac. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Là, vraiment, il y a un problème. J'ai déposé ma femme ici. En fait, elle était juste censée monter et descendre, mais ça fait déjà 2 heures qu'elle ne descend pas. Sérieux? 2 heures déjà. Elle n'est pas encore descendue. Ok, tu lui as téléphoné? Son téléphone est éteint. Je ne connais pas cet endroit ici. C'est pour la première fois que je suis ici. Dieu. Oh, ok, est-ce que tu connais très bien son appart? Mon Dieu, je ne sais pas. En fait, c'est ma première fois d'être ici. Elle m'a dit de la déposer ici pour qu'elle monte changer les habits. Après, on va aller à notre rendez-vous. Et ça fait déjà 2 heures. Je ne comprends pas. Je suis inquiet. Ok, le problème, c'est que je n'ai jamais vu une telle personne sur cette avenue. Peut-être que tu as été dupé. Je vous demande pardon? Non, monsieur, même si je vous demande de l'aide, vous ne pouvez pas appeler ma femme comme ça. Hein? Non, elle ne peut pas me duper juste comme ça. Elle est responsable, elle a un salon. Elle m'a juste dit qu'elle veut monter là-bas, elle descend. Ok, d'accord, laissons me renseigner. S'il te plaît, excuse-moi. As-tu vu une fille s'éteindre ici avec un sac il y a quelques heures? Oui, elle est très belle de taille. Oui, elle est vraiment belle. Elle est détaillée. Elle en sait. Oui, je l'ai vu en train de faire arrêter la moto juste sur l'avenue qui se trouve en parcelle. Et elle était en train de faire entrer de sacs, de choses comme ça dans cette moto, oui. Elle vient à peine dépasser devant notre parcelle. Là-bas avec les sacs? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Elle est lancée. Un peu belle. Elle avec ses sacs. Oui. Monsieur. Hein? Tu dois quitter ici. Il est mieux que tu partes d'ici avant que ces garçons ne viennent voir quelqu'un comme toi ici. Tu sais ce qu'ils te feront. Sincèrement, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? 2 millions, 2 millions, où est-ce que je l'aurai? Où est-ce que j'aurai cet argent? Où est-ce que j'aurai ces 2 millions? Elle ne peut pas partir. 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 Elle a dit qu'elle revient. Mon Dieu. C'est pas vrai. Je rêve. Oh mon Dieu. Ah ouais, il a vraiment gaspillé même avant le rencard bébé. Il a dépensé des millions pour moi. Attends, tu veux dire qu'il a dépensé tout cet argent pour toi? Eh bien oui, c'est un pouvoir d'une femme. Oui, le pouvoir qui marche dans la souffrance. Ah, cela ne me concerne pas. Je n'ai pas envoyé de message, il ne peut pas trouver d'autres femmes. Mais Emilia, ceci risque de te conduire à la faillite. La vie est toujours injuste. Hey, attends, j'étais en train de regarder tes articles. Je pense que ça peut coûter presque 1 million naira. Mais de quoi est-ce que tu parles? Juste ce cheveu à moi, cela a coûté 600 000 naira. Es-tu sérieuse? Oui. Et ça coûte combien? Cela n'est rien, bébé. Mais dis-moi non. Tout ce qui est ici devant toi est équivalent à 2 millions. Es-tu sérieuse? Mais tu sais que je t'ai dit. Ma chérie, de quoi es-tu en train de parler? Quel argent? Quelqu'un qui se plaint que tout ce qu'il a dépensé, c'est tout ce qu'il avait dans son compte bancaire. Tu peux les garder si tu veux. Ça, c'est à toi. Ça t'appartient. Ça suffit avec ces morales, ça suffit. Attendons que demain arrive. Je suis très impatiente de mettre mes nouveaux habits.
Yo, bébé. Réjouis-toi. Oh, regarde ce que tu t'es fait, là. Tu pensais lui marcher dessus. Et maintenant, c'est elle qui te marchait dessus. Quelle merde. Simon, non. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu me regardes très bien, tu verras, je suis troublé, j'ai des problèmes. S'il te plaît, donne-moi juste le temps de résoudre ces problèmes. Je vais les résoudre moi-même. Je t'ai parlé avant que tu partes, mais tu ne voulais pas m'écouter. Honnêtement, si tu étais un petit garçon, je t'aurais frappé très mal. Qu'est-ce que tu attends? Je suis comme un petit garçon. Hein? Regarde-moi, hein? Regarde-moi. Regarde-moi. Comment est-ce que je me suis fourré dans cette histoire? Un très grand gâchis, mec. Et maintenant, tu te plains du manque de téléphone. Et soudainement, tu as reçu 2 millions de nègres. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu les as dilapidés. Mais non, dis-moi, comment allons-nous rembourser cet argent? Comment allons-nous les rembourser? Seigneur. Ah. Seigneur. Je t'avais prévenu. Je t'avais demandé de reporter la date. Mais tu avais refusé. Regarde-toi maintenant. Cette bête m'a bloqué partout. Sur WhatsApp, sur Instagram, partout. Je ne sais pas ce que je peux faire. Où est-ce que je peux la trouver? Oh, tu espères quelqu'un qui t'a dupé. Continue de causer avec toi. Qui est-ce qui peut le faire? Je viens de donner raison à tous ceux qui me disent que je suis bon à rien. Bien sûr que oui, tu viens de donner raison à ceux qui disent que tu n'es bon à rien. Cet argent était comme un pari, mais tu as refusé de prendre cette donne en compte. Si je trouve cette fille, si jamais je trouve cette fille, elle ne m'a pas du tout tué. Je vais la tuer. Je suis conscient de chaque mot que je dis. Grand frère, tu pleures toujours. Es-tu sûr qu'on ne va pas aller chez la police? Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. On ne peut pas inclure la police. Pourquoi? On n'a pas assez d'argent pour appeler la police. Tu vas payer la caution? Dis-moi si tu vas payer la caution. Mais si c'est le cas. Mec, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tonton, c'est une bonne après-midi. Oui, comment tu vas? Qu'est-ce que c'est? Mec, je te dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute-moi, Simon. Tu m'as bien vu que je ne suis pas d'humeur. Hein? S'il te plaît, et qu'est-ce que tu veux me dire d'important? Oh, d'accord, c'est bon. Notre monsieur est de retour. Yossi est de retour. De quoi parles-tu? Ah, Fabienne, et tu comprends pas ce que je dis? Notre Yossi, now, tu t'arrives au Yossi est de retour. Attends. Chicharito! Chicharito est dans la ville. Le seul Chicharito. Il est rentré. Je te jure, mec. Ah! Où est-ce que tu l'as vu? Non. J'ai rencontré notre ami. Ah. Et il va me dire que Chicharito est de retour. Je te jure, mec. En fait, regarde. Il n'est pas seulement de retour. Il m'a dit, si tu vois le monsieur conduire son véhicule, tu verras que le gars est fort. Notre gars est fort, mec.
Alors maintenant, comme il est rentré, hein, est-ce qu'il va résoudre les problèmes que j'ai en ce moment? Et Fabienne, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Fabienne? Hein? Et si on vraiment oublié combien nous étions proches de Chicharito avant de partir? Maintenant qu'il est de retour, il est venu avec beaucoup de force. Hein? Ne penses-tu pas que c'est une opportunité pour nous de voir ce qu'il a et prendre notre part? Il est en train d'organiser une grande fête. Et tu sais quoi? Nous sommes tous des invités. Je pense que c'est le seul et l'unique point important. Allô, monsieur. C'est depuis le matin que ton téléphone sonne à vide. Oui, monsieur. Je vais bien. Je suis au marché. Je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Je suis désolé, monsieur. Donc, je peux comprendre que tu es en train de faire le marché? Oui, monsieur. En d'autres termes, nous nous rencontrerons demain au bureau, d'accord? Oui, monsieur. Très bonne chose. Rencontrons-nous de mon bureau. Très bien, monsieur. Au revoir. Mec, qui était-ce? Voilà que tu fais du tricotage. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bébé, mais pourquoi tu souris? Raconte-moi la nouvelle. Bébé, je me suis vue avec mon ami du collège. Il m'a invitée dans une fête. Bébé, cette fête sera remplie que de grandes personnes. Les gens qui sont au sommet de notre société. Bien, c'est une bonne chose. Et je pense que tu as trouvé maintenant celui qui a convaincu ton cœur. Bébé, ne peux-tu pas parler d'une chose sans même parler de l'amour? Est-ce que l'amour est forcé? Tous les jours, je dois sortir. Tu ne te fatigues pas? Mon amour, la vie a été faite pour s'éclater. De toutes les façons, tu viens avec moi. Je ne veux pas d'excuses parce que c'est le week-end. Oui, malheureusement, les samedis, non. Pourquoi tu ne veux pas les samedis? Je ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que les jours suivants, je dois aller à l'église. Oh, je le savais. De toutes les façons, c'est le vendredi. Je ne veux pas d'excuses. C'est bon, d'accord, mais à une seule condition. Laquelle? Ne pas revenir trop tard. Bien sûr. C'est bon? Bébé, cette chose que tu es en train de faire, tu ne vois pas que ça ne vaut pas la peine? Que dis-tu? Quelque chose que j'ai acheté avec mon propre argent? Ou c'est parce que tu ne sais pas comment on se réveille et acheter quelque chose? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu vois ces trucs, je n'ai pas encore fini de l'utiliser. Ah, mais tu trouves pas que c'est devenu ancien? Oh, madame la millionnaire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, non. Femme riche. Ah. Vas-y dans la cuisine, sers-toi quelque chose. Je pense que tu as faim. Tu vois, moi, je ne peux pas coudre mes habits. Ce n'est pas possible. Je sais. Si ça devient ancien, je le jette puis j'achète d'autres. Je sais. Ah. Qu'est-ce que tu as préparé? Vas-y dans la cuisine et sers-toi. Bienvenue. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Pour quel crime? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pourquoi je m'enfuis? Pourquoi je me tue moi-même?
dois-je aller en ville maintenant? Juste pour regarder quelqu'un foutre ma vie en l'air? Ou dois-je être préparé pour aller en prison pour 2 millions de naira? L'argent qui a été dépensé rapidement, juste comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Ce garçon a intérêt de ne pas jouer à ce jeu avec moi, sachant que je suis plus grand que lui. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Mais je m'étais décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Maintenant, regardez-le. Seulement à cause de 2 millions de naira, il se permet d'éteindre son téléphone. Fais bien. Tu peux beau fuir, mais tu ne le feras jamais longtemps. Je vais finir par t'obtenir. Et quand j'en aurai fini avec toi, je t'assure que tu ne te reconnaîtras plus. Regarde sa forme. Mec, est-ce que tu peux vraiment t'apaiser? J'aurais pensé que t'allais changer. Mais il n'a rien à faire avec ses derrière. Tu sais vraiment ce que ces filles représentent? Ne retourne pas au passé. Mais... oui, voilà, tu t'habites, c'est là. Mon mec. Regarde, regarde. Et vraiment, regarde comment est-ce qu'il a changé. Mec, je t'ai dit, il a apporté, il a amené beaucoup d'argent, mec, je t'ai dit. Il a beaucoup d'argent. Tu sais, d'argent. Mec, l'argent répond il à tout, mec. Il a beaucoup d'argent. L'argent répond à tout. Regarde-moi ce gars. Regarde-moi. Mec, je te dis que ce garçon va changer les cours des choses. Oui, mec, il va changer toutes nos situations difficiles en bonheur. Je t'avais dit, mec. C'est quoi, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Tu veux aller où? Mais avant que je fasse quoi que ce soit, dis-moi, c'est quoi le problème? Hein? Regarde, voici la pute qui m'a squatté de l'argent. Je vais en finir avec non, elle. Calme-toi, d'accord? Nous sommes dans une très grande tête. Tu résolveras son problème après. Simon, mes 2 millions de naira, je ne peux pas la laisser comme ça. Non, laisse-moi. On va voir ça après. Arrête, mec. Arrête, s'il te plaît. Fais bien. Emilia, qu'est-ce qui s'est passé là? Je peux comprendre qu'elle prétendait être chauffeur. Mais tu dois me dire pourquoi elle insistait que nous allions à la fête. Je suis désolée pour les dérangements. C'était Fabien. Fabien? Et qui est Fabien? Le gars que j'ai menti que j'allais coucher avec lui.
Mais Emilia, je te l'ai toujours dit. Je te l'ai déjà dit. Plus ça change, plus c'est la même chose. Tu devais juste être prudente. Dieu va t'aider. Un jour, tu vas rencontrer une personne qui va t'embarrasser en public. Dieu ne laissera pas arriver cette mauvaise N'est-ce chose. N'est-ce pas ce qui t'est arrivé? C'est assez, je t'en supplie. Assez? Emilia, c'est ce que tu me dis? Si seulement on nous avait découpé là-bas, tu allais me dire que c'était assez? Je ne te blâme pas. C'est moi qui t'accompagne dans ton jeu. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, hein? Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Toi, c'est quoi cette histoire? Tu as mené un homme dans ma maison. Tu n'as même pas peur. Oui, oui. Monsieur, vous êtes à l'état d'arrestation. Nous vous amenons à nos installations pour une interrogatoire. Même toi. Mon cher Bouge. Bouge. Hein? Bouge. Officier, c'est quoi le problème, officier? Monsieur. Hein? Je dis bouge. Officier. Monsieur. Bouge. Hein? Monsieur. Mais monsieur, écoutez, monsieur, non. Mais Kate, pourquoi ne nous as-tu pas appelé pour nous informer de la présence des policiers ici? Je ne savais pas quand est-ce qu'ils étaient arrivés. Et lorsque je l'ai réalisé, ils me l'ont arraché. Et ils m'ont demandé de faire aucun appel. Alors, j'avais cru qu'ils m'auraient arrêté. C'est d'accord. Ton frère se portera mieux. Mais Simon, où est-ce qu'ils ont amené mon frère? Ne t'inquiète pas. Je veux que tu me fasses une promesse. Que tu ne feras pas appel à ta maman pour vous dire. Si seulement ça sera pour aider. Bien sûr que oui. Alors je vais l'appeler. Entrons. Il est 17h, qu'est-ce qui se passe? Grand frère Simon, c'est ce que tu cherchais? Cloan First Production Limited, numéro 34, avenue Kingswin. Oh, d'accord, je m'en vais, d'accord, j'arrive. Thank you.
Et qui cherchez-vous? Viens ici. Bonjour, monsieur. Je te repose la question. Qui cherches-tu? C'est vous que je cherche, monsieur. Et en quoi puis-je t'aider? Monsieur, je viens respectueusement de la part de mon ami qui était arrêté. Donc, tu es ami à ce criminel? Non, monsieur. Oui, monsieur, il n'est pas un criminel. C'est un ami. Et qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Ou tu veux le rejoindre en prison? Non, monsieur. Je viens vous supplier si vous pouvez le libérer. Et qu'en est-il de mon argent? Écoute, je ne me vois pourrir en prison. À moins que me restes-tu mon argent ou tu n'en as. Je sais, monsieur, mais le faire arrêter, monsieur, c'est un peu dur, s'il vous plaît, libérez-le. Obéis-tu, te taire et laisse-moi tranquille. Ok, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous juste le libérer? Je vais trouver votre argent par moi-même. S'il vous plaît, monsieur, libérez-le. Je vous assure, moi-même, je vais vous donner votre argent. Abou! Viens, jetez ces méchants dehors de ce parquet. Monsieur. Oh, grand frère! Grand frère Simon, comment ça a été? Et ça a été. Regarde tes yeux. Tu pleurais. Pourquoi ne puis-je pas pleurer? J'espère que tu n'as pas dit à maman. Non, elle ne l'a pas fait. Elle me l'avait fait comme promesse. Oui, je ne lui ai rien dit. Dans ce cas, tu... C'est Simon qui te doit remercier pour tout. Et Simon, je vais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, spécialement à ma sœur. Je crois que la vie était très difficile. Encore une fois, je te remercie beaucoup. Je ne peux pas te remercier assez parce que tu m'as libéré de la police. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi, Fabien. Parce que tu sais, j'avais beaucoup de rivières à traverser. La question maintenant est... Comment est-ce que nous allons réunir 2 millions de naira en 2 mois? 2 millions de naira. Je suis confus. Ne sois pas confus, mon cher. Tu es celui qui nous a foutus dans cette merde. Alors il faut réfléchir. Je pense que j'ai besoin de... des temps vraiment pour arranger ma vie. Les temps ne nous est plus favorables, il faut comprendre ça. Je pense que j'ai une idée. Mais ça va nous coûter beaucoup d'argent. J'espère que c'est quelque chose qui nous apportera en retour. Peut-être que oui. Ou peut-être que non. Mais nous devons juste essayer. Combien je suis censé chercher? 100 000 naira. Dans ces cas, je vais vendre ma voiture. Je ne te conseillerais pas de vendre ton véhicule maintenant. Peut-être que je débourserai 100 000 naira provenant de mon compte. Et après ça, si ça ne marchait pas,
nous serons obligés de vendre ton véhicule. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Simon? Hein? Qu'est-ce que je ferais? Depuis que tu as été à mes côtés, à chaque fois quand j'ai des problèmes, quelque chose que je ne pouvais pas résoudre. Mais tu es toujours là. Merci. Et pourquoi sommes-nous amis? Et ce n'est absolument rien, mec. Merci. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Tu sais, pour le business dont je t'ai parlé. Quel genre d'affaire? Le business en ligne que je t'avais parlé, qui semblait comme un jeu. Oh oui, je me rappelle. J'ai vu à peine de recevoir des Sanera parce que j'avais mis ça en erreur dans quelques jours. C'était une bonne nouvelle. Et je suis sûre que si je mettais 5 millions, je vais avoir 10 millions. Mm-mm. Regarde-moi très bien. J'en ai, mais je ne peux pas les faire. Qu'est-ce que tu veux essayer? Bébé, les gens font l'argent. Hein? Mais où était cette plateforme depuis longtemps? Hein? Mais pourquoi tu veux mettre ta vie en danger? Je ne suis pas sûre de ça, bébé. Je suggère que tu réfléchisses très bien. Tu veux tout perdre? Bébé, dans la vie, il faut prendre des risques. Quel genre de risque? Risquer en mettant en jeu tous tes biens, bébé? Je te les déconseille. Bébé, tu ne peux pas me décourager. Parce que les gens sont en train de témoigner. Ils témoignent à ces sujets. Regarde ce pasteur de l'église God Living. Il est aussi parmi les gens qui témoignent pour cette plateforme. Et tu restes là en train de perdre ton temps. Emilia, j'ai essayé de te prévenir. Comme une sœur qui veut le bonheur de sa sœur. Si tu le veux, comme tu le veux, vas-y. Tu me distrais. Laisse-moi les trouver les 500 millions. Si je mettais 5 millions, j'aurais 10 millions. Laisse-moi aller. Cherche pour 10 millions. Une fille moins intelligente, tu reviendras ici pour pleurer. Est-ce que tu as soumis tous les documents? Il vient de le faire. Il vient juste de partager mon témoignage. Et très bien. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est essayer l'accord. Je pense qu'elle a juste à mettre son mot de passe et puis on verra. Il contacte Pasteur Moïse. Oui. Et ce serait la meilleure option. Et c'est un homme respectueux. Il accomplit et tout ce qu'il dit. As-tu ses photos? Oui, j'en ai. Il faut que j'envoie seulement le formulaire et envoyer le message ici. Très bien. Nous avons juste à le faire croire et il a un bon témoignage. Mais es-tu sûr que ça va marcher? Fabien, crois en toi-même et crois en Dieu. Emilia, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qui se passe. Où est-ce que ça ne va pas? Je ne retrouve plus l'application. Quelle application? La seule plateforme dont je t'ai parlé. C'est maintenant invalide. Oui, mais que ça soit invalide ou non, tu ne pouvais pas quand même crier. Et tu ne comprends pas. Non! Ils l'ont fermé. Alors, tu ne les connais pas et ils ne te connaissent pas. Et tu dis? Hé! Hey. Comment je vais les trouver? Comment je vais les trouver? Comment est-ce que tu vas trouver qui? Attends, Emilia, ne me dis pas que tu avais transféré de l'argent à ces gens. J'ai... Tu quoi? J'ai investi 5 millions de naira. 5 quoi? Emilia, je ne peux pas te croire. Tu ne viens plus me demander de l'aide. Hein? Comment est-ce qu'une si grande femme comme toi peut se faire anarquer? Emilia, 5 000 naira n'est pas une blague. Qu'est-ce que je vais faire? Mon argent. Merci beaucoup pour ton transfert. Hey!
Qui te l'a envoyé? Je suis fini. Qui te l'a envoyé? Les gars dont j'ai menti. Les gars qu'on avait fouillés dans la fuite. C'est lui qui est responsable de tout ça. Hey, je suis fini. Tu es vraiment stupide. Mon argent. Tu es vraiment très stupide. J'appelle la police. Non, ça n'a pas d'importance. Je vais les régler moi-même. Emilia, tu veux les régler toi seule? Voilà pourquoi tu as laissé 5000 Naira aller juste comme ça. Il va pas, je t'ai dit que je veux les régler moi-même. Ah! Tu ne veux pas voulu m'entendre. Je t'avais prévenu que tu seras déçu. Tu t'es toi-même fait du mal. Wow. Oui, oui, génial, oui, oui, 5 millions de Naira, oui, voilà les 5 millions, la confirmation, on l'a confirmé, c'est la confirmation, toi, tu es un génie, non, 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 je ne m'attendais pas à ça, non, mais tu es un génie, ah non, 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 mon cher Dieu, waouh, et 5 millions de Naira. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je te l'avais dit. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi, mec? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Dis-moi. Nous devons l'appeler. Et tu dois lui dire que nous avons ces 2 millions déjà. Et nous allons lui remettre demain. Partir où? Et Chief Khan, bien sûr. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Pourquoi tu demandes 5 millions de Naira? Écoute, cet idiot a eu l'audace de me faire arrêter, moi, Fabien. Tout ça à cause de combien? Combien? Et maintenant, j'ai 5 millions de Naira. Tu veux que je lui donne 10 millions de Naira? Dans ces 5 millions, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Fabien, est-ce que ça va dans ta tête? Es-tu normal? Tu t'es mis à prier Dieu pendant tout ce temps et il t'a remis 5 millions de Naira. Et tu veux faire autre chose avec? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu sait comment faire les choses. Il les fait tellement très bien. Il a créé le monde le premier, le deuxième, le troisième jour et puis, et il s'est reposé le septième jour. C'est vraiment un homme d'affaires avec 5 millions de Naira. Ça, c'est mon capital. Je ne vais plus encore jouer avec ce capital. C'est vraiment un capital. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Fabien, est-ce que tu es normal? Je ne peux pas être normal pour 5 millions de Naira. Tu sais quoi? Je vais monter me rafraîchir. On se croise au bar. Qu'est-ce que je dis? On se croise au bar. N'oublie pas. Au bar. On se croise au bar. Bébé. Quoi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te comporter comme ça? Je suis en train d'attendre. Tu attends quoi? Tu m'avais promis de me parler de cet homme à qui tu as envoyé de l'argent. Quel argent? L'argent que je viens de transférer dernièrement. Tu sais, je réfléchissais, je me disais qu'il serait prudent de ne pas avoir de problème avec la police nationale. La police bancaire pourrait en avoir après lui. Et s'ils viennent à remarquer l'argent qu'il a eu à nous transférer, nos comptes seront retrouvés parmi les comptes qui ont reçu de l'argent venant de lui. Bébé, voyons. Il n'est pas un politicien. Il est peut-être dans beaucoup de business. À peine tu l'as connu et vous vous êtes rencontrés juste une seule fois. La première fois que je vis les chiffres, j'ai compris tout à propos de lui. Il était vraiment transparent. Il m'avait tout dit sur lui-même. Il m'a dit qu'il fait beaucoup de business. Il a des entreprises partout dans le monde. Il est aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Tu sais, il est partout dans le monde. Il est vraiment un homme très riche. Il est vraiment très riche. D'ailleurs, il est le directeur général de tous les gens qui travaillent avec lui. Ah, ok, je pense qu'il a cru peut-être que l'argent qu'il a dépensé, c'était pour la nourriture. Mais, ah, bébé, qui est cet homme qui peut donner à une femme 1 million Naira juste comme ça? Dis-moi, il ne t'a pas touché? Pas du tout. Mais s'il insiste pour ça, qui suis-je pour dire non? D'ailleurs, il y a d'autres filles de mon âge qui cherchent ce genre d'opportunité. C'est comme un bureau. Si je l'interdis d'entrer dans mon bureau, alors il aura un autre bureau ou un trait, c'est simple. Ah, bébé,
toute opportunité qui se présente devant toi, tiens-la fort parce que les filles sont jalouses. C'est vraiment sérieux. Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Penser à propos de quoi? Pour quelqu'un qui nous a donné quelque chose. Je pense qu'on doit vraiment l'apprécier. Tu veux dire comment? Que veux-tu dire par comment? Si quelqu'un te donne quelque chose, tu dois bien dire merci. Oh, c'est ce que tu voulais dire. J'ai pensé que tu voulais juste apprécier sa gentillesse. Même si ce n'était pas sa gentillesse, ce n'était pas le 1 million que tu voulais. S'il te plaît, épargne-moi de ça. S'il te plaît, arrête de penser à l'envers. Parlons d'autre chose. Je ne veux pas que tu penses à l'envers. Je voulais dire qu'on devrait seulement le remercier. Qui sait, peut-être tout ce que je perdis, tout ce que cet idiot m'a volé, lui me les rendra. C'est toujours comme ça que je t'avertis. Oublie ces garçons et quitte dans ces pièges. Ok, c'est bon. Si tu penses que tu dois aller le remercier, tu peux aller. Mais moi, je ne peux pas faire cette chose. Jamais. Je croyais que tu allais me dire que Samuel allait me donner tout ça. Ne ramène pas mes histoires dans tes affaires. C'est quoi ces bêtises? Fabien! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de parler avec le chief. Et? Nous devons nous voir avec lui au courant de la semaine, moi et toi. Emilia, peux-tu t'entendre parler? Tu savais qu'on devait se voir avec le chief. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé en premier? Et cela a changé le fait que le remerciement est nécessaire. Oh, c'est ça le point. Parfois, sois un peu posé. Si tu ne veux pas aller, alors ça me va. Non, ce n'est pas ça. Écoute, tu devrais me parler en premier. Mais je viens de dire que je suis désolée pour ne pas te l'avoir dit. D'ailleurs, nous devons voir cet homme. Ce n'est pas comme si ça va prendre toute une journée. Cela ne va pas prendre tout ton temps. Alors pourquoi te plaindre? Ok, c'est bon. Je vais réfléchir sur ça. Pourquoi me brusquer comme ça? Emilia, tu es sûre qu'il viendra? Ah, calme-toi, il va venir. Je viens de parler avec lui au téléphone, il m'a dit qu'il est tout prêt. Hein? Je sais qu'il ne va pas me décevoir. Mais je pressens toujours, la manière dont il m'avait apprécié l'autre fois me décourage d'aller dans cet endroit. Ah, mon Dieu, Filiane, il faut vraiment peser ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas comparer la personne qui t'a donné 500 000 naira et celle qui t'a donné 400 000 naira. Il mérite mieux, non? D'ailleurs, tu devras aller chez cet homme, l'embrasser les pieds, te prosterner devant lui. Ha, Emilia, tu es vraiment une femme sauvage. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais tout faire pour un homme à cause de l'argent. C'est vraiment de ça que je parle. Un homme qui te doit l'argent, tu dois le considérer comme Dieu. Quand Dieu essaie de te bénir, tu ne vas pas dire que tout ce que Dieu fait pour toi est assez. Même avec le téléphone, on a des téléphones qui sonnent moins fort. Il y a d'autres qui vibrent et il y a d'autres même qui sonnent fort. Mais quand cet argent est entré dans ton téléphone, cela a sonné comme des tonnerres. Alors, Emilia, c'est quoi le but maintenant? Le but est, depuis que cet argent est entré dans ton compte, j'étais en train de t'observer. Tu as totalement changé. Tu as tout changé. Cela montre le changement depuis que cet argent est entré dans ton compte. Excusez-moi, mesdames, qui est Emilia? C'est moi. Ah, ok. C'est de la part de Chief Kaidi. Oui, effectivement, Kaidi. Il m'a envoyé vous prendre. Ah. Allons-y. Ok. S'il vous plaît, vous êtes supposé de vous asseoir derrière. Oh, j'ai compris. Merci. Je vous en prie. Ah.
bienvenue. Merci. Waouh, cette maison est trop belle. Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ouais, encore bienvenue. S'il vous plaît, asseyez-vous et détendez-vous. Bienvenue dans l'une de mes belles propriétés, Emilia. Comment tu vas? Je vais bien, Chief. Bienvenue. Chief, voici ma sœur Filiane. Filiane, je te présente Chief Kaidi, l'homme dont je te parlais. Ok, merci beaucoup pour ces beaux gestes. Je dirais, l'argent était vraiment beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante. Ce n'était rien, alors prenez place. Merci. Tu es doux. Monsieur. Je vais partir. Merci, monsieur. J'espère que votre voyage pour ma propriété n'était pas stressant. Non, non, même pas. Vous avez une très belle maison. Oh, soyez le bienvenu. J'ai beaucoup de boissons. J'ai de la NDC. J'ai de la campeur, dans nos prions. J'ai du vin rouge et un peu de cocktail. Moi, monsieur, laisse-moi prendre. Le vin, c'est préférable, monsieur. C'est très bien. Joe. Oui, monsieur. S'il te plaît, trouve-moi deux verres de vin rouge. D'accord, monsieur. Emilia. Chief. Une fois de plus, sois la bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Et comment vous allez? Très bien, merci. Merci. Content de voir. Pareil pour nous. S'il te plaît, une bouteille pour chacune d'elles. Non, 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 messieurs. Deux bouteilles, c'est trop. Ce n'est rien. Il y en a tellement beaucoup dans ma maison. Même si vous en avez encore besoin, vous pouvez les emporter à la maison. Emilia? Oui. J'arrive dans peu de temps. Ok, Chief. S'il vous plaît, puis-je? Oui, juste une bouteille suffit. Est-ce qu'il s'est plaint? Je ne te comprends pas. Emile, nous ne sommes pas ici. Allez, pour ferme voir. Ta bouche. Nous sommes venus pour autre chose. S'il te plaît, arrête. Tu m'embarrasses. Tu es en train de me déranger. Est-ce qu'il s'est plaint? Non, pas trop. Ça suffit. Allez, cheese. Cheese. Je vous en prie, sentez-vous à l'aise. Merci. Je vous en prie. Emilia. J'espère que vous avez faim. Oui. S'il vous plaît, le repas est prêt. D'accord, on sera là d'un peu de temps. Ok. Emilia, quand est-ce que nous allons retourner à la maison? Je me sens déjà fatiguée, oh. Tu n'es pas contente? Prends, mets-les dans ton sac. Emilia, non, ça ce n'est pas correct. Oh non. Emilia. Oh, ok. Ok. Allons-y. Mm.
Je suis désolé d'avoir laissé de très belles femmes comme vous en attente. J'étais occupé à faire quelque chose là, dans ma chambre. Très bien, je suis là. Messieurs, qu'est-ce qui est attaché sur vos vêtements? Oh, ce n'est rien. J'assistais le garçon qui tuait la chèvre qui avait aidé à faire cette cuisine avant que vous veniez. Et malheureusement, ça m'a sauté dessus. Bon, ce n'est rien, oubliez ça. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi? Bien sûr. Ok, je travaille dans une compagnie de tailleurs manufacture appelée Jackie Tailleur. Qui est tenue par Chief Jackson Mellier? Exactement. Vous les connaissez, messieurs? Oui. Il était mon ami. Jusqu'à ce que la soif de la réussite nous avait séparés. Et tu sais, nous voulions tous réussir. Rien ne demeure dans notre vie. Et toi, ma belle Emilia, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis désolé. Tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. Je travaille en partenariat avec des hommes d'affaires. C'est ce que je fais comme travail. Oh. Honnêtement parlant, je suis vraiment obsédé par des très belles femmes et surtout des femmes d'affaires. Oui, je t'en prie. Mangeons et on va parler de ça après. Ok, je vais le faire. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te confions ce moment. Béni serait pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En t'entendant prier, je peux deviner de quelle confession je suis parti. J'ai toujours été chrétien. Vraiment? Oh oui, je le suis toujours. Mais tout ce que je fais ne me permet pas de me pratiquer. mais de toutes les façons, je continue à payer mais ma dîme et tout le reste. C'est bon. Oh oui. Bon, je... Ok. Quoi? Ah, ok. Ok, monsieur. Qu'on rajoute la sauce? Non, c'est bon. Merci. C'est prêt, merci beaucoup. Je vous en prie. Emilia, réveille-toi. Réveille-toi. Il est 21h. Oh Dieu, on a beaucoup dormi. Oh, les filles, vous vous êtes déjà réveillées? Vous vous étiez toutes endormies après le repas. Et je m'étais moi aussi endormie. Et j'attendais que... qu'on prépare pour vous un endroit pour votre sommeil. Et nous avons plus de 20 chambres dans cette maison. Ah non, non, messieurs, nous n'allons pas rester ici. S'il te plaît, laisse-nous aller à la maison, s'il te plaît. J'aurais bien voulu. Mais après que je m'y sois rendu compte, cet endroit est bien sécurisé. Personne ne peut entrer et vous faire du mal lorsque vous êtes ici. Et d'ailleurs, il est à 3h de minuit.
Donc, relaxez-vous et prenez soin de vous. Ah, ok, on va rester, c'est bon. Ok. Joe. Joe. Oui, monsieur. J'espère que la chambre des visiteurs a été faite. Oui, monsieur, c'est fait. Et s'il te plaît, amène Félien là à l'intérieur. Emilia, viens avec moi. Oui, madame, c'est ici que vous allez passer la nuit pour ce soir. Tout ce dont vous aurez besoin, il vous sera donné. Ok, merci beaucoup. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. C'est qui? C'est moi, Joe. Ta sœur m'a envoyé vers toi. Oh. Je vous salue. Voici vos vêtements. Prenez. Merci. Ah, je vous en prie. Attendez, j'arrive. Oui, ta sœur m'a... Est-ce que tu as suivi le match de Brentford? Et si je ne l'ai pas suivi, c'est à toi de le faire, non? S'il suivi? Vous plaît, aidez-moi. Hey, hey, aidez-moi. Hey, hey. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que aidez-moi. Vous aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un calme essaie de me tuer. Calme, s'il te plaît, calme, aidez-moi. S'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît, bon, aidez-moi. D'accord, ok. Calme-toi. Apaise-toi d'abord. Madame, viens avec nous. Viens avec nous, d'accord? Regarde. Je suspecte que cette fille doit être une des victimes de Chief. Tu as raison. Donc. Tu sais quoi, mec? Continue de la garder. D'accord? N'ai fait aucun mouvement de suspicion. Regarde, attends. Oh, Chief est en train de... Vas-y, elle n'écoute pas. Allô, Chief? Oui, monsieur. Elle est ici avec nous. D'accord, monsieur. Nous ferons tel que vous nous l'avez dit, monsieur. D'accord, monsieur. Oh, pote, qu'est-ce qu'il a dit? Que nous devons l'amener saine et sauve auprès de lui. Très bien. Je crois que cette fois, on aura une très belle somme d'argent. Je crois ici. Mais elle s'est enfouie. Elle nous a échappé.
Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Aïe! Oh! Hé! Mais on l'a perdu. Ah, cette fille est vraiment intelligente. Ah! Écoute, mec. Écoute d'abord. Je suggère que nous rentrions. Nous devons quitter rapidement de cet endroit parce que cette femme a dû avoir fui il y a longtemps. Rentrons, nous sommes dans nos problèmes. Problème? Tu parles d'un problème, mais nous avons déjà un problème. Comment? Comment? Mais comment on va expliquer au chef qu'on a perdu la personne qu'on doit capturer, qu'il nous a échappé, hein? Non, tu penses qu'il sera content de nous? Écoute-moi, mec. Nous ne sommes pas ses hommes, d'accord? Il n'est pas notre boss. Donc, nous ne lui devons absolument rien. Est-ce que tu comprends ça? Souviens-toi, le chef est vraiment, vraiment dangereux. Il pourrait nous trouver, hein? Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Il est capable de faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas notre faute qu'elle ait échappé. Est-ce que tu comprends? Laisse-moi te faire une suggestion. Nous devons chercher plus loin. Parce que le chef paye très très bien. Souviens-toi quand comment il dépensait, il joue avec l'argent. Ah ah! Nous ne devons pas arrêter pour cet argent, hein? On doit chercher plus loin. Mec, fais usage de ton cerveau. Pense à ce qui nous arriverait si les agents de sécurité savaient que nous étions dans des business illégales. Hé mec, c'est un danger pour nous que nous nous soyons retrouvés à un endroit comme celui-ci. Écoute mec, moi je m'en vais. Si tu veux continuer de chercher, fais-le seul, sans moi en tout cas. Mon cher, je te dis, tu as tort, mon cher. Non, je suis pas à l'aise, je dois m'en aller. Non, reste ok, moi je pense travail seul. Mec, tu penses que j'ai la sécurité ici, d'accord, ouais. Reste. Où est-elle? On l'a perdue, monsieur. Elle s'est échappée. De quelle bêtise tu es en train de me parler? Hein? Nous ne savions pas qu'elle était votre victime, Chief, jusqu'à ce que vous avez effectué cet appel en sa présence. Et quand nous nous sommes tournés vers elle, elle avait disparu. Êtes-vous des fous? Hein? Je crois qu'elle avait écouté notre conversation au téléphone, monsieur. Vous avez vu une fille en train de fuir dans ces conditions à 7 heures de la nuit? Aviez-vous besoin qu'un voyant vienne vous dire qu'elle avait échappé de ma résidence? Souvent, quand vous voyez une fille courir à cette heure de la nuit, à quoi pensez-vous en premier? Dites-moi un peu. Chief, nous l'amenons souvent vers vous. Allô, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même chose aujourd'hui? Désolé, monsieur. C'est parce que nous étions au téléphone. C'est de ça que je parle. Est-ce que j'étais obligé de vous appeler? Nous sommes désolés, monsieur. Vous êtes des fous. Vous êtes tous de fous. Merci, monsieur. Chérie, ce que je ne sais pas comprendre, c'est que pourquoi est-ce que vous devez poser des tels actes juste à cause d'argent? Je ne comprends absolument rien du tout. Ou tu veux dire qu'en tant que copain, je ne te donne pas suffisamment d'argent? Je suis vraiment désolée. Comme je le disais, je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire. J'étais déjà en train d'aller à la banque quand Emilia m'a parlé de ça. Quand on devait voir d'abord le chief, je n'étais même pas convaincue. On t'avait d'ailleurs dit que chief, vous avez fait un transfert. Et pourquoi est-ce que tu t'étais décidé d'aller avec elle? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Écoute, je pourrais même partir avec toi pour ta sécurité. Ou tu pouvais juste lui passer un appel au lieu d'aller te présenter. Oui, j'avais aussi suggéré cela, mais Emilia m'a imposé d'aller dire merci à un homme qui m'a transféré de l'argent dans mon téléphone. Arrête, Samy. Toi et moi savons très bien que ce n'est pas le bon moment de faire les reproches. Hein? As-tu dit que ton ami t'a dit d'aller le voir? Oui. Donc, elle a la clé de la réponse. Et je crois qu'elle connaît quelque chose à propos de ta tentative de meurtre. Peut-être que c'est la partenaire du chef canadien. Ça, ce n'est pas vrai, monsieur l'officier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire.
si elle en faisait partie, elle n'allait pas m'aider à m'échapper de cette maison. Écoute-moi, jeune fille. Je suis un inspecteur avec de l'expérience. Ton ami avait déjà préparé tout ça avant d'échanger ton cœur. C'est déjà trop tard. Et comme tu peux le voir, ce qui le portait, c'est elle t'a donné l'accès qui t'a permis d'échapper. J'aime la manière dont tout le monde parle. Non, mais ce n'est pas vrai. Je ne pense pas. Comment est-ce que quelqu'un peut parvenir à gérer ton compte sans que tu lui donnes tes accès? Et Chief Carl était dérangé de ton appréciation. Et c'est là que ton ami t'a suggéré d'aller le voir pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour toi. Mais ok. Et tu es en train, en fait, de nous dire que Emilia savait quelque chose sur ce qui allait se passer? Exactement, Samy. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, comment est-ce que c'est possible? Essaie de regarder très bien. L'argent qu'il a transféré était de trop. Ce qui veut dire son attirance vers toi était inévitable. Oh oui, monsieur l'officier, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à sauver mon ami, allons-y sauver Emilia, s'il vous plaît. Oh, voyons. Toi et moi savons très bien comment on fait les enquêtes. Nous devons vraiment se préparer et être prudents. Si nous suivons très bien ces enquêtes, ça va créer beaucoup de dommages. Pourquoi cette fille en question a donné l'allégeance au chef canadien? Et toi et moi savons très bien que le tuf est trop influent. Et tout sera fait. Bébé, tu es vraiment inquiet. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre? Comment je vais m'asseoir pendant que mon ami est en train de souffrir dans cette maison? Mais mes chéris, ici c'est la police qui s'en occupe. Est-ce que je peux leur permettre de faire leur travail? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Tu es sûr qu'ils vont faire ce travail? Tu sais combien j'ai souffert pour m'échapper? S'il te plaît, ne dis pas ça. Ok, alors si ce que l'inspecteur a dit est vrai, et si Emilia a prêté allégeance à Chief? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Emilia que je connais ne peut pas faire ça. Oui, je sais qu'elle aime l'argent, mais Emilia ne peut pas me sacrifier. Est-ce que tu t'entends? En fait, est-ce que tu peux t'entendre parler? Chérie, tu ne dois pas dire des choses comme ça. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais essaye, essaye de m'aider à les sauver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Si tu peux permettre à ces gens d'accomplir leur mission, c'est ça leur devoir. Ok, merci Dieu que tu saches très bien qu'elle aime beaucoup l'argent. c'est bon bébé, mais juste arrêtez de la condamner s'il vous plaît. Mon ami me manque beaucoup. Je risque que tu dois faire maintenant, c'est permettre à ces gens de très bien faire leur travail, d'accord? c'est bon, s'il te plaît, juste fais quelque chose, je ne peux pas. Rester dans cette maison toute seule. Emilia me manque. Elle me manque. J'espère que tu ne comprends absolument rien. Ok? Et tu ne comprends absolument rien. Qu'en est-il que ce que le monsieur dit est vrai? Dis-moi un peu. Ce n'est pas vrai. Ce ne peut pas être vrai. Ce ne peut pas être ma Emilia que je connais. Non. Telle est ma prière. J'y crois aussi. Oh Dieu. Ce n'est pas fermé, vous pouvez entrer. Inspecteur Chucky. Bienvenue, messieurs. Oui, madame. Monsieur, soyez le d'accord. Bienvenue. Messieurs, prenez place. Merci. Est-ce que vous allez bien? Oh, nous, ça va. Êtes-vous oui, sûr? Ça va très bien. Samy, tu sais très bien que les femmes peuvent tout faire à cause de l'argent. Absolument. Si elles n'ont plus sacrifié sa mère, celle qu'il a mis au monde pour les rituels d'argent. Et qu'est-ce qu'une amie ne peut pas faire? Oh non, officier, je refuse. Je refuse d'accepter cela comme une réalité. C'est évident ce que les enquêtes ont trouvé comme solution. Jusqu'à quand, officier? Jusqu'à quand? Je sens que ma vie est en danger. À chaque fois que je vois les hommes, même de loin, je me sens vraiment effrayée.
Je comprends ce que tu ressens. Vous savez, c'est juste les enquêtes qui ont révélé tous ces problèmes. Spécialement les gens qui ont des problèmes. Mais il y a toujours des histoires qui sont gardées secrètes. Raison pour laquelle la police est là pour s'en occuper. Vraiment? Oui. Oh, merci beaucoup. Je peux me sentir mieux maintenant. Inspecteur, je voudrais vraiment te dire grand merci pour tout ce que tu fais. Mais pourquoi ne pas demander quand est-ce que tout ceci aura pris fin? Très bientôt. Comme je dis très bientôt, c'est vraiment bientôt. Ce que nous avons comme bonne nouvelle, nous nous sommes donné la peine de trouver le chief Caroline. Impressionnant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle dans toute cette démarche. Mais la mauvaise nouvelle est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas concernant ces enquêtes, nous sommes là. On va s'en occuper. On va vraiment s'en occuper jusqu'à la fin. Oh, s'il te plaît, Dieu, aide-moi. Je fais tout ça parce que tu es mon meilleur ami. Normalement, je n'allais pas faire tout ça parce que je n'étais pas sûr du suspect. Et toi et moi savons très bien comment le chief est. Imaginez s'il avait seulement des doutes concernant les accusations qu'on a faites pour lui. Et seulement pour ça, j'allais avoir des problèmes. Et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Je t'en prie. Sincèrement, je te dis merci. Et crois-moi, je n'arrêterai jamais d'apprécier tous les efforts que tu fournis pour moi. Bien, Samy, j'aimerais te rappeler quelque chose encore. S'il y a quelque chose que tu te rappelles concernant toutes ces enquêtes, n'hésite pas à m'appeler pour me faire savoir. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Merci, officier. Absolument. Bonjour, monsieur. Nous sommes là chez vous. Quoi puis-je vous aider? On cherche le chief. Chef, il savait que vous allez venir? Pas du tout, mais on sera content de le voir. Ah, ok, laissez-moi le signer. Très bien. D'accord. Monsieur, il y a quelques policiers. Laisse-les entrer. Ils sont ici pour des questionnements, d'accord? Et c'est ce qu'ils t'ont dit. Et donc, laisse-les entrer. D'accord, monsieur. Emilia, est-ce que tu vas bien? Oui. Mais tu ne bois pas. Ah, monsieur, je vais boire. Oh, Sam! Inspecteur? Oui, oui. Est-ce qu'il y a un souci? J'ai vu lui parler à la sécurité. Il est en train de l'informer. Oh. Alors, attendons qu'il revienne. Okay. Oui, c'est la meilleure idée. Monsieur, vous pouvez entrer. Ah, très bien.
Bonjour, Chief. Je suis l'inspecteur. Oh, inspecteur, s'il vous plaît, prenez place. Oh, merci. Je vais m'asseoir. Emilia, donc c'est vrai? Donc c'est vrai que tu as planifié tout ceci pour me tuer? Tu m'as envoyé un message. Je t'ai envoyé aucun message. Mais de quoi est-ce que tu parles? J'étais surprise en me réveillant le matin, tu étais déjà partie. De quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire? Tu ne m'as pas envoyé un message? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ok, si tu ne m'avais pas vu, pourquoi tu ne m'avais pas cherché partout? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas ici? Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Désolé, Tiff. Nous cherchons un suspect. On a juste un petit problème et je vais l'arranger. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes ici. On pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Il est probable que vous ayez pensé qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais avant qu'il donne une quelconque information me concernant, tu devrais me contacter. Et la prochaine fois, avant de faire quelque chose, il faut le vérifier parce que je ne pense pas que tu es venu ici pour n'importe quoi. Vous avez raison, Tiff. Désolé pour ces dérangements. Nous allons vous laisser. Bonne journée. Ne partez pas, aidez-moi. Merci, Tiff. Aidez-moi, non. Aidez-moi, Emilia. Et ça a été réglé. Je m'excuse, monsieur. Je ne t'avais pas cru quand tu martelais sur Emilia a un lien avec les chiefs. Je suis désolée. C'est d'accord. Je tellement apprécie parce que ça s'est fait devant toi. Et maintenant, tu peux maintenant comprendre. Hein? Et tu vas plus douter, ok? Oui. Inspecteur Chuck. Oui, Samy. Nous sommes désolés de tout ce qu'on vous a inculpé. Nous savons très bien combien ça a été difficile. Nous vous devons tout ça. Sincèrement, ça ne coûte rien du tout. J'ai compris de ma manière. Vous savez que vous avez raison. Cet homme est méchant. Comment pourriez-vous? Avez-vous pas vu comment Emilia était libre de nous parler à tous? Je veux dire, il n'y a aucun suspense de kidnapping ou de danger, ce que vous voulez dire. Et Samy, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Tu sais comment les criminels fonctionnent. Ils prétendent vraiment que tout va très 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 bien. Et le problème dans tout ça, quand j'ai parlé avec le Tiff, j'ai compris que Tiff parlait avec Emilia. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler quelqu'un. Et si ça arrive à ce niveau-là, tu ne peux pas comprendre. Et vous ne pensez pas que ça pourrait être un arbre? Pourquoi vous revenez sur voyons, ça? Même si c'est quoi, nous allons les découvrir. Et tu sais, elle était en train de nous parler. C'est comme si elle voulait passer un message. Hein? Et je pouvais voir la peur dans ses yeux lorsque je disais que nous partons. Ah, ça c'est un département. Comme je suis aussi inculpé, je vous encourage de continuer. Allez-y jusqu'au fond. Il n'y a pas de problème. Officier. Monsieur. Je veux que vous soyez prêt. Oui, monsieur. Qui encore, mais qui est là? Allons-y. Avance. Vous encore? Je suis désolé, Chief, mais nous devons résoudre ces problèmes. Perquisitionner ma maison, pourquoi? Les ordres venus d'en haut, chef. Un ordre venant d'autorité. Es-tu au courant que le commissaire est mon ami? Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Officier. Monsieur. Fouillez partout. Oui, monsieur. Partout. Il est vraiment clair que tu t'es décidé de quitter ton travail.
Messieurs, nous avons trouvé un cadavre dans cette maison. C'est une fille. Non, arrêtez. C'est l'un des captifs. Il est innocent. Ne tuez pas sur lui. Ne tuez pas sur lui. Jeune homme, descends ici. D'accord, monsieur. Tu es sauvé. Descends. Descends, jeune homme. Tu es sauvé, jeune homme. Appelez l'ambulance, officier. Okay, fais-le immédiatement. D'accord, monsieur. Merci, officier. Tu as fait un très bon boulot. Ça va aller. Tu es un professionnel. Vous êtes à l'état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et tout ce que vous aurez à dire maintenant sera retourné contre vous à la cour. Et maintenant, allons-y. Officier, on n'a rien fait. Avancez! Vite! On n'a rien fait, nous. Mais qu'avons-nous fait? Entrez dans le véhicule. Officier, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les véhicules. Emilia, peux-tu nous dire juste ce que tu as vu? Juste après le départ de Fidéan, j'ai dormi avec le chief dans sa chambre. Où est-ce que tu vas? Je vais te faire le petit déjeuner. Très bien. Celles qui sont ici ne sont pas de bonne odeur. Tu peux prendre la porte qui est à ta gauche, là. Ah, ok. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que c'était?
Je ne pense pas que c'était ce que moi je pense. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Non, mais je n'ai jamais vu quelque chose de pareil avant. Jésus! Qui est là? Qui es-tu? Hein? Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qui êtes-vous? S'il te plaît, peux-tu enlever l'habit? Dis-moi qui est là? S'il te plaît. Sauve ma vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Je suis venue avec ma meilleure amie. Où est-elle? Je me demande parce que personne ne travaille ici et sortir vivant. Où est ton amie? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Et comment es-tu arrivée ici? Ah! Et certain. Certaines personnes, je pense que tu les as envoyées. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que je suis victime de ça. Probablement, je paye le prix de tout ce que je t'avais fait. Ah, je ne crois pas. Pourquoi? Je pensais que ma vie serait finie juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Explique-moi. Parle-moi. C'est une longue histoire. Explique-moi! C'est une longue histoire. Laisse-moi partir. Et toi, pas besoin de te déranger. Déjà demain matin, je vais te sacrifier à ma déité. Et tu as le courage de m'escroquer.
Aucune somme ne peut m'équiter pour quelqu'un d'autre sans en payer le prix. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et après tout ce qui s'était passé, je ne sais pas. Parce que j'étais inconsciente. Ce que je constatais, ce que tu pensais n'était pas à sa partie intime. Il te faisait l'amour avec un serpent. Serpent? Un serpent? J'ai déjà eu à travailler dans ce genre de mission. Et en faisant bien l'observation, c'est toujours la même chose. Toujours les mêmes personnes qu'on suspecte. Jésus. Ça a toujours été comme ça. Je ne comprends pas. Tu as besoin d'une observation spirituelle. Oh mon Dieu. Ah, la manière dont tu parles de tout ça, c'est vraiment effrayant. Mais c'est plus sérieux de ce que je pensais, Chike. Au cas contraire, elle sera bloquée spirituellement. Dieu, là, rien ne va arriver à Emilia. Tu sais que tout ça, là, ne sont pas bons. Les gens passent leur temps aux réseaux sociaux que les réseaux sociaux. Et d'habitude, ce n'est pas ce que tu penses. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention et voir les personnes que nous voyons. On doit les connaître très bien. Parfois, certaines personnes ont des intentions pas bien. Chike, il n'y a rien de ce que tu viens de dire qui ne soit pas absolument vrai. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Samy. Bébé, c'est bon. Tout ira bien. Hein? Arrête de pleurer, bébé. C'est bon. Qui est là? Moi, Fabien. Oh, salut. Salut. Ah. Ah. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, et toi? C'est quoi ça? Pourquoi elle pleure? Pourquoi tu pleures? Elle garde cette attitude depuis hier. Elle a peur de ce qui peut l'arriver selon ce que l'officier avait dit. Rien du tout. Rien ne va t'arriver. Yvonne, monte là-bas et prépare-toi. Pour aller où? J'ai un oncle qui est fort dans des histoires spirituelles. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Oui, bébé, nous devons aller, nous n'avons pas de choix. Crois-moi. Viens, viens, allons-y nous préparer. Bien, je vais profiter de cette occasion pour te remercier pour avoir resté à mes côtés pendant ces durs moments. Oh, voyons, je n'ai rien du tout. Remercie Dieu. Le plus important est que tu sois en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Hein? Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait, ta gentillesse.
Tu es capable de tout faire pour moi sans même exiger quelque chose. La vie d'un être humain est très précieuse. La vie d'un être humain, tout est précieux. Merci beaucoup et encore une fois de plus, merci. Comme on a fini, t'amener quelque part, qu'on prenne du café? Dès que tu seras prêt, je serai là. Merci. Alors puis-je te voir après le rendez-vous? Ok. Bye. Liane, j'aimerais parler un peu avec toi. Oui, oui. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Liane, je compte récupérer mon certificat pour trouver un travail. Le travail dont tu m'as parlé à tout moment, est-il encore disponible? J'ai envie de travailler. Oh, bébé, c'est vraiment très beau à attendre. Bien, je ne sais pas, le représentant n'est pas sur place. Je ne sais pas quand il reviendra. Alors, je vais parler avec les directeurs et après, je reviendrai vers toi. Merci. Je vais vraiment travailler. C'est bon, bébé. Tu as choisi une très bonne chose. Hein? Quelle que soit la position où je me trouve, je vais toujours t'apporter de l'aide. Hein? Tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre en application tes visions. Bien. Merci. Je suis heureuse d'entendre ça. Maintenant, ça, c'est l'Emilia que je cherchais. Maintenant, je peux... bien me reposer. J'ai commandé mes livres pour que je lise. C'est ça donc le livre qui a changé ta vie? Non, pas forcément. Ça parle du secret pour réussir. Tu en auras besoin, alors prends. Merci beaucoup. La manière dont tu parlais au téléphone, et tu parlais comme si quelqu'un qui voulait dire quelque chose, mais en fait, t'en as pas vraiment envie. Tu étais vraiment terrifié, mec. Alors qu'est-ce que c'est? C'est à propos d'Emilia. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais même pas quoi dire. Il semblerait que... il s'est tombé amoureux d'elle. Et qu'est-ce que tu attends? Vas-y, mec. Qu'est-ce que tu attends? Et tout ce qui sort dans ce sens, il doit être vraiment tien. Alors, va de l'avant, hein? Et je pense maintenant qu'elle a pris la place de ton meilleur. Mon cher, c'est impossible que je fasse ça maintenant. C'est à propos de la vie. Je suis en train de parler de la vie en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Va de l'avant, mec. N'oublie pas que tu es un homme. Je te considère comme mon meilleur ami, en tout cas. Tu as raison, mec. Cheese pour une très longue vie. Pour beaucoup d'argent. Amen. C'est quoi ça? Montre un peu. Je ne sais pas. Quoi? C'est quoi? Veux-tu m'épouser?
Dis oui. 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 Oh mon Dieu. Oh bébé, merci, merci. Vraiment. Alors. Félicitations. Alors, s'il vous plaît, préparons-nous pour la fête. C'est content de toi. Bien sûr. Toi, tu es mon meilleur gars.